Coucou tout le monde, salut Nanou, salut Norwalk, comment ça va? Ah, c'est une surprise ce soir, regardez, attention, tada, coucou. Ouais, j'ai décidé de mettre la caméra, ça fait longtemps, je me suis dit que ça pouvait être cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Eh ben, il y a une soirée au Moulin Rouge, ça va être cool. Oh putain, eh. Je lance le live, c'est bon, regardez, il fait beau dans le jeu. Ça fait pas plaisir. Alors. Faut que j'aille lui faire une tenue. Pour changer. Comment vous allez tout le monde? Bah ben moi Nanou je vais bien et toi j'espère que tu vas bien. De bonne humeur. Même si je suis éclatée parce que. Oh, Yawen, mais on va lui faire peur. Bouh! Il n'a pas eu peur. Bouh. Bouh. T'as eu peur, hein? Ouais. Ah, j'en étais. J'adore les gens qui t'appellent et qu'après tu les rappelles et ils répondent pas. Non, mais ça, c'est les pires, ça. Grave. En pleine forme, même. Oh, tant mieux, alors. T'as bien dormi? Wesh. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Mon Dieu, notre maison! Eh, mais c'est. What? Mais il y a une femme qui crie à l'agonie! J'ai pas compris. Mais quoi? Mais où? Ah ouais. Non mais qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre! C'est la guérilla. On va tous mourir! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des cons ou Puis voilà, y a pas. Mais y a une femme qui brûle! C'est des cons, non? Je sais pas. Oh merde, c'était le cas de. Je voulais juste faire il bout, essaie de hein! me rappeler. Je voulais juste faire un bout. Il a tout capété. Putain, faut qu'elle arrête de crier comme ça quand même. Elle en appelle peut-être la police, non? C'est quand même. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah parce qu'il y a quand même des voitures qui prennent feu devant chez nous, hein. Bah oui, mais avec tout le voisinage qu'il y a, t'inquiète pas, la police elle a déjà été prévenue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que je change ma musique. Ah, j'aurais pas dû mettre une pince dans mes cheveux, ça me. Elle me gêne de trop avec mon oreiller. Je crois que la femme a mal, mais je suis pas sûre. Je crois qu'elle a mal, ouais. On doit pas être bien. Qu'est-ce que t'es fait, Wen? Eh, j'ai pas mon bisou. Je crois que la femme a mal, mais je suis pas sûre. Mais en fait, je me demande comment ils peuvent faire pour se faire péter les bagnoles à la gueule, les concitoyens. Concitoyens, yon, yon. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi? Pourquoi tu lui dis que t'es. Qu'est-ce que tu. Ah! Un vrai câlin. Ils sont cons, faut les pardonner. Oui, c'est sûr. Merci, Owen. Il m'énerve de me faire éjecter. Ah bah. Putain, pourquoi tu peux pas le rentrer dans la voiture? Ah si, ça y est. Ils s'en passent des dingueries ici. Elle a trop de problèmes. Non. On peut fermer les voitures ou pas? Quoi? On peut les fermer ou pas? Comment ça, on peut les fermer? Descends. Oui. Ah non, non, en fait, j'allais dire au pire, si on peut pas la fermer, je la rends dans le garage, mais si je peux pas rentrer dedans.
Vous avez compris, vous? Moi, j'ai pas compris. Ouais, Faites tellement dramatique. Mais elle est elle peut pas bouillie, arrêter ça de crier, elle! Je crois qu'il y a que toi qui l'entends crier. T'es sérieux? Non, y a pas que moi, du coup, là. Donc, casse la tête. C'est mon téléphone qui a sonné? Je regarde le téléphone IG, puis je regarde le mien. Que faire, que faire, que faire? Prendre un plaid parce que j'ai froid. Tu fais quoi? Quoi? Hein? Vas-y. Le téléphone. Vas-y. Ouais, ouais. Faut que j'aille au magasin de vêtements. Oh, mais pourquoi elle se coupe? Mais elle a trop de problèmes. Pourquoi faut que tu ailles? Bah, parce que ce soir il y a une soirée. Pour que je me mette une belle robe. Enfin, pas trop courte non plus. Hein. Je vais t'en foutre. Mais non, mais force! Waouh! Oh non! Eh, on n'avançait pas! What l'accident! Oh là, j'en ai marre! C'est qui? Tu vas payer les factures. Oh non! Tu sais quoi? Deux fois aujourd'hui. Waouh, la voiture elle est explosée. Mais qu'est-ce que tu fais à nous foncer dedans derrière? Mais non! Putain, ils font nappe, on va se faire engueuler là. La moto. Merde. Attends. Attends, putain, c'est pas moi qui paye, il arrête pas de moto encore. C'est la merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Bah, j'ai à voir si ça va, tu sais. Ouais, bah si, gracias. Attends, elle va manger puis on se capte, ok? J'ai mal. Tu vas manger du coup? Ouais, je vais manger parce que là. Ah, vas-y, bon. J'ai faim. Bah ouais. Vas-y, on se joue. Bordel de merde de caméra qui tient pas sa mère. Oh, vous deux? Ouais. Vous allez au coffre? Non. Vous allez où? Faut que j'aille au magasin vêtements. Vas-y. T'as on se rejoint là-bas, c'est bon. Vas-y. Vas-y, avance. Oh là, c'est n'importe quoi. Déjà, je l'ai fait réparer alors qu'elle était réparée. Maintenant ouais, qu'elle est cassée, je la fais plus réparer. Et elle veut pas démarrer. Bah oui, forcément. T'as vu l'accident qu'on vient d'avoir là? Mais si, elle force, je roulais doucement. Ouais, j'avoue qu'elle est arrivée comme une balle. Pour une fois que tu roulais doucement. Je vais rouler que vite. Ouais, par contre, faut faire quelque chose hein, parce que l'arrière là, c'est pas possible. T'as vu dans les accès? Oh, mais wesh, pourquoi elle coupe? Eh, je te jure, ma voiture elle a trop de problèmes. Mais faut aller. Mais le mécano il peut rien faire. Quoi? Non. Ça va? Je te jure, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle est maudite, je la vends, je m'en bats les couilles. Mais elle est hantée cette voiture. Mais vas-y, vends-la. Au pire, on aura une voiture pour deux, c'est pas grave. En moto, j'ai pas ce genre de problème. Ah, si, en fait, j'ai rien dit. Je vais faire comme Manet, je vais rouler en Vélib. En vrai, elle a pas de problème, elle roule en Vélib, elle prend des taxis, franchement, ça va. Ouais, enfin, elle dépense plus là-dedans que dans le plein, quoi. Ça coûte cher? Les taxis, oui. Faut la nettoyer ma voiture, elle est sale. Hein. Comme toi. Quoi? Oh le bâtard. Non mais faut te nettoyer, faut t'entretenir tout ça. Comment ça faut me nettoyer? Eh bah ouais, je suis bah propre. Ouais. Et moi je passe du temps pour toi. Hein. Non. Comment ça? Dans les voitures, hein. Comment ça je suis sale en fait? Je comprends non, pas trop. Pas sale, bah si, t'as dit que la voiture elle était sale comme moi. Mais non, t'as dit faut la nettoyer, elle est sale. Genre comme toi, faut te nettoyer, faut t'entretenir. Même genre, je suis assez grande pour me nettoyer mais toute seule. Ça ouais, et je vois. Ma mère, c'est en train de me faire serrer. Bon, je répète, je suis assez grande pour me laver seule en fait. Tu vois, c'est pas besoin de m'entretenir. Ouais, mais comme ça, on économise de l'eau. Mais autant prendre la. Deux et tout. Ah oui, ah, ça, bah oui, mais forcément, oui. C'est pas de refus.
C'est 50€ la course en ville. Attends, j'envoie un petit message à mon frère. Si je n'ai pas de compte les poésations, pardon. Ah oh, bah ouais. Ouais, c'est riche. Ma voiture, elle est à vendre. Pourquoi ? Mais en fait, du coup, c'est peut-être toi, non ? Bah non, parce que toi aussi, ça te le faisait. Même plus. Ah, mais oui, c'est vrai. Moi, bah, c'est la ville. Et ça se trouve, je pourrais pas coiffer ce soir. Oh, vas-y, va vite, au salon, là, que je prenne mon service. Attends, on est d'accord, il y a une tempête ou pas ? Non, il n'y en a pas eu. Et c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Surtout que coup... Oui, Bah, je vais plus avancer. Ouais, c'est quoi bon. Non, mais surtout que bah, ce soir, je dois coiffer à la soirée, en fait. C'est mon travail. Donc si je peux pas coiffer, la soirée, elle va puer un peu. La gueule. Comme Juanita. Ouais. Il en prend pour son grade, lui. Bonjour, il y a personne. Y'a voir que j'essaie. Bouge pas. Bouge plus. Laisse-moi te tripoter. Eh ben, je peux pas coiffer. Voilà, rip. attends, ouais, je vais faire un petit. Ouais, mais en fait, je vais quand même. Je vais en parler quand même parce que. Non, mais il y a. Genre, je parie que le problème clé, il est pas réglé. Je parie que le problème des vêtements, il y a trop de problèmes qui devraient pas y avoir. Mais ils peuvent pas tout faire, laisse-leur le temps aussi. Du coup, je vais faire un petit tiller quand même parce que du coup, sans ça, je. Ouais, mais s'il n'y a pas une tempête, c'est pas normal. Alors. On n'a pas eu depuis midi. Ouais, normalement, le 20h, il y a une. Il y a un reboot, il n'y a pas eu. Bonsoir. J'ai un souci. Voilà, voilà. Bon, on verra. Bah, du coup, magasin de vêtements, de toute façon. Hein. Owen. Je suis là. Ah. Des fois, j'ai l'impression que t'as des absences. Tu devrais peut-être consulter, hein. T'as un problème dans le cerveau, Owen ? Non. T'as des trous dans ton cerveau ? Oh ! C'est bon ! Il y a le nouveau catalogue ! Yes, attends, je me pose, je le regarde. Quoi ? Inconnu. Allô ? Bonjour. Bonsoir, pardon. C'est bien Madame Elisa, là, actuellement, à l'appareil. Oui ? Oui, dites-moi, j'ai pu comprendre que ce soir vous allez au Vanilla Unicorn, pas au Vanilla Unicorn, mais au Moulin Rouge, pour faire des coupes, je ne sais quoi. Oui, mais c'est bien ça. Oui. Avez-vous besoin d'un agent de sécurité, bien sûr, gratuit ? Écoutez, ça réellement, je prends mon temps gratuitement. Mais alors, il faut savoir que là-bas, il y aura déjà des agents de sécurité. Donc, personnellement, oui, j'en ai pas besoin, mais faut voir directement avec le Moulin Rouge si jamais il y a besoin. En soi, c'est je serais votre garde du corps à vous, pas au Moulin Rouge. Mais vous êtes qui ? Vous n'êtes pas présenté ? Ryan Zenty. Ah. Alias Snoopy. Ah oui, je vois. Non, mais vous inquiétez pas pour moi, Ryan. Je me débrouillerai. Puis il y aura mon petit ami qui sera présent. Ok. Ah bah, y a pas de problème. Mais après, voilà, si vous cherchez du travail ou autre... Peut-être que Hiram, le patron, recrute, hein, n'hésitez pas à lui demander. Du tout, je préfère éviter d'aller dans ce genre de domaine. Après tout, moi je ne fais que garde du corps, c'est tout. D'accord. Je ne suis que garde du corps. D'accord. Mais bon. Très bien. Du coup, je vous souhaite quand même une bonne journée, et puis voilà. Merci, bonne journée à vous aussi. Oh, il est trop bizarre. C'est le mec du nounours là, le nounours Snoopy, tu sais, qui balade partout. Voilà.
il m'appelle, il me propose d'être mon garde du corps. Gratuitement. Regarde par mail. Attends, je regarde les mails. Bonsoir, oui, nous avons eu la remontée d'un de tes collègues. Le dev regarde. Pourquoi ? Moi, ils sont en train de regarder pour cette histoire de coiffure, mais j'espère qu'ils vont trouver la solution avant la soirée. Boatata, ça coûte cher. Mais mon dieu, il aurait dû m'envoyer des photos encore plus petites. Ça coûte la peau des fesses. Ouais, mais c'est un détail, ça. Ah. Du coup. Bonsoir, Wesh, mon goût. Faire laquelle? Enfin, t'aurais dû m'envoyer des photos encore plus petites, hein. Ah ouais, mais c'est celle du catalogue. Ah ouais, mais Mais là, le RS3, il me tente de ouf. C'est lequel? Le premier ou le deuxième? Celui à 58. RS3, en même temps... Ouais... Je vais le passer en Grinardo, je vais le mettre... Ah non, là, il me tente de ouf. Vas-y, il est beau, hein. Je vais vendre ma Peugeot. Après, vas-y, on prend ça. Vas-y. On se cotise, on s'achète ça. Mais t'as plus d'argent que moi, toi. Et quelle cotisation? Il n'y a pas de cotisation. Ouais, bah si. T'es riche ou quoi? Non, mais... Eh, tu sais, en ce moment, c'est la D. Quoi? T'as plus de sous? En ce moment, c'est... Si, mais beaucoup moins qu'avant. T'as du mal sur le pseudo. Bah c'est ouais, genre, dans les 39, là. T'as 39... Ouais, mais on va pas aller loin avec ça. 39 000. Ouais, si, c'est déjà beaucoup quand même. Ouais, mais moins 58 000. Quoi? Ouais, bah oui, le RS2 coûte 58. Ah oui, attends, bien sûr. Attends, c'est quoi? Je vais feuilleter le catalogue correctement parce que là, il y a beaucoup de nouveaux véhicules. Ah merde, j'ai t'as froid, tiens, tu veux ma veste? Non, mais ça va, on va aller au magasin de vêtements. j'ai laissé mon doigt appuyé sur la touche. Quoi? Je te passe ma veste. Oh, c'est gentil. Tu me la rends après. Hein. Attends, c'est quoi qui m'envoie? Je vais le mettre. elle est bizarre ta veste. Non, mais je viens de me rappeler que t'es une fille. Bah oui. Ouais, mais l'intention y est. Mais tout à fait. Ah bah du coup, mets un haut là parce que... Non mais t'inquiète, c'est bon. On va... Ça va aller, on va aller dans le magasin, je vais plus avoir froid. Allez, c'est parti. Je suis ton garde du corps. Ah ouais? Il faut que j'arrive à joindre le concesse là. Ah ouais. Acheter la voiture? Ouais. Oui, il y a l'air d'avoir du monde là. Ça passe 4x4 aussi. Mais pour eux, ils ont le même. Il répond pas, putain. Non, j'ai le seum. Wouah, mais c'est quoi ce monde? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, madame. Du monde ici? Moi, y'a personne. Ah, c'est tout le monde se fait beau? Ah ouais, il faut. Hein. Bah, vous avez bien raison. Tout beau. Enlève-moi ce chapeau. Quoi? Enlève-moi ce chapeau ouais. Tout de suite. Bon, une robe. Sur une femme à 21h30, mon gars. Excusez-moi, hop, petite place. Ouais, mais peut-être que si tu y vas rapidement, si tu la connais, peut-être qu'elle va te passer son numéro. Je sais pas. Oh putain, j'ai pris 10 fois la même chaussure. Des chances. Ouais. Mais vaut mieux essayer que pas essayer, hein. Oh, désolé. Aïe. Ouais, mais si tu veux, je recherche des gardes de sécurité aussi. Hein. Frappez bien. Désolé. C'est qui que vous avez au téléphone, monsieur? Ok. Il s'appellerait pas Ryan? Pour la soirée, 250. C'est où, les gants? Ouais. Attends, madame, vous me parlez à moi? Oui. Oui, il parle à moi. Oui, c'est Ryan. Ah, d'accord.
Comment ça va, vous le connaissez? Passez-lui le bonjour d'Elisa. Ryan. Il y a une certaine Elisa. Elisa, Elisa comme Zaza, Elisa, comme Zizi. Elisa, comme si, ok ouais. Elisa. Za. Elisa, Elisa. Za. Ouais. Ah, c'est ta coiffeuse préférée. Ah ouais, vous avez entendu, madame. Ah, c'est gentil, ouais. Ouais, c'est gentil, ouais. Il a dit waouh. Ah ouais. Un truc... La coupe. Il a dit waouh la coupe. Ok. De quoi la coupe de la merde? Quoi? Putain, j'arrête pas de mettre des coups de pied dans ma cave. Ah, ok. Ok, y a aucune merde dans l'histoire, madame. Okay. C'est bon. Ok. Je sais pas comment l'habiller. Bah, je sais d'avoir son numéro, mais... Tu peux l'avoir tout seul, quoi. C'est un truc que je pourrais faire, que tu pourrais faire toi-même, quoi. Vas-y, je t'attends à la voiture. Mais alors, qu'il soit là ou pas, t'es pas là pour la pécho, à moins que oui. Oui ou non? Ah, ok, ouais, je vois. Ah, je vois, ok. Ah, je peux peut-être t'aider, alors. Ouais. Ok. Ouais, je vais t'aider, mon gars, t'inquiète pas, je comprends. Coucou, Léa, ça va? Ouais. Ouais, mon gars. Ouais, ah, les gendarmes, mon gars, là, faut pas... C'est des femmes indépendantes, hein. C'est plus une gendarme. C'est bien, au moins. C'est qui? C'est Madame Brooks? T'as suivi ton port. Une commandante? Ok, ah, je sais vraiment. Un gendarme? Je sais pas. Charlie de la... De truc, là. De la couette ou de la couille, je sais pas. Ouais. Bah, ok, bah... Ouais. Putain, mais y'a vraiment pas de robe, en fait. Y'en a peut-être deux. Ok, bah, du coup, je vais voir ce que je peux faire pour toi, mon pote. Et si j'arrive à dégoter son numéro de téléphone, je te le passerai. Ok. Je sais même pas comment je vais faire, mais j'essaie de l'avoir. Allez. Allez, à plus, Ryan. Elle est dégueulasse. Ouais, je vais essayer, mon gars. Hein. Je te promets rien, par exemple. Ouais. Je te promets que dalle. Ok. Ok. Allez, à plus, mon gars. Oh ouais, bisous. Ah, mais je vous ai pas reconnu, madame la coiffeuse. Ah ouais? Je savais pas que c'était vous. Ouais, c'est moi. Oh putain, mais y a pas de robe ici, hein. Ah non, vous êtes... On a deux, trois. Vous êtes à Hexagone, ici. Oui, c'est vrai. Je sais, je vais faire un truc dans ce genre là. Oh, ça sera sexy, mais tant pis. Il est où, mon copain? C'est pas lui à côté ici, le policier? Non. Bonjour, le policier. Bien le bonjour, messieurs, dames. Non, je sais pas, il est. Bah merde, alors il a disparu. Bon. Je sais ce que je vais faire. Si, signora. Mais où es-tu? Je suis à la voiture. Qu'est-ce que tu fais à la voiture? Je fais le ministre. Comment ça, tu fais le ministre? Tu passes des coups de fil? Ouais. Ok. Bon, bah moi, j'ai le droit de m'habiller un peu sexy quand même ou pas? Elle est pas trop courte, la jupe. Ouais, t'inquiète. La jupe sera pas forcément très très courte, mais le haut sera très très sexy, mais ça, voilà. Ça sera ça. Et puis on va mettre un bas. Oui, bas, c'est là-bas. Non, mais ça fait sûr, c'est pas un trou. Ou alors on part sur le short.
Est-ce que ça fait bien? Coco Virtuose. Il a dit ta jupe, il a rien dit d'autre. Je dis ça comme ça. Donc j'ai le droit de mettre un roi à dentelle comme ça. Ah, c'est peut-être un peu trop osé quand même, non? Oh, vu que je mettrai pas ça dans la vraie vie, autant en profiter et le mettre dans le, dans la, dans le, voilà quoi. C'est vraiment une femme bien cette femme, je l'aime beaucoup. Ah oui oui, dans tout cas. Ah oui oui oui. Bon, moi c'est il faut bien, que je regarde pour une tenue du coup parce que sinon. Ah, je reconnais une voix là. Comment ça va tout le monde? Désolé de répondre si tard, j'étais plongée dans la vaisselle. Ah, t'as plongé dans ta vaisselle? C'est bizarre quand même. Comment ça va vous les femmes? Ce soir, allez vous faire plaisir. Ouais, grave. Ce soir, les gars, au moulin, c'est les hommes qui dansent. Voilà. Donc ça va être cool. Ça va changer. Moi, bon, je fais comment? Je m'habille comment? Je mets ça. Mais en vrai, j'ai déjà ça. Il suffit juste de... Je crois qu'on est 4 à danser. Ouais, c'est cool. Longtemps. Il y a plus d'hommes que de femmes. Merde, non, c'est pas ici. Comment tu sais qu'il y a des nouvelles tenues? Bah, il va voir sur internet. Ouais, pour les hommes. Ah, pas pour les femmes. Ah. Bah ouais. Sinon, ouais, ça serait incroyable. Pas trop drôle, quoi. Il y a des nouvelles tenues pour les hommes. Ouais. Et puis moi, je suis un peu dans la merde, je peux coiffer plus personne. Là. Comment ça, madame? Tu peux plus coiffer les gens. Mais comment ça? Mes ciseaux, ils sont cassés. Ah, là, putain. Les clés aussi, elles sont cassées dans cette ville. Ouais, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu m'as menti, double zéro. Hein. Écoute, sur l'internet de la ville... Tu non, mais c'est que pour les hommes, en fait. Bah ça, c'était pas marqué. Je suis déçu. On a... Monsieur double zéro, c'est ça? Oui. C'est quoi les nouvelles tenues que nous, on a nous les hommes? Bah, il sait pas, hein. Il sait pas? Ah non. J'en sais rien, j'ai envoyé mon haut raid. Ah ouais. Ah. Y'a pas de belles bottes. Voilà. Les Air Force que je... Bon bah y'a pas de nouveaux vêtements hein. Je suis triste. Je suis au 36. Bah y'a que dalle. Des conneries, c'est bon. Ouais, c'est bizarre. Ouais. À misère, je sais pas comment l'habiller. En vrai, je crois que ça va finir avec ça. Hein. Ou alors. C'est pas vraiment une tenue. Voilà quoi, enfin. Les modérateurs, c'est des bons. Mais bien sûr que c'est des bons, les modérateurs, évidemment. Merci Nanou! Merci Nanou, merci Nanou. Oh, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi mettre. J'ai envie de dire. J'ai tellement pas de vêtements. Je suis tellement dans l'abus avec les vêtements à chaque fois quand je joue. Sinon, je mets une robe. Non, j'ai pas envie de mettre une robe.
Ah, il y a pas d'écho, madame. Ouf. Non, j'entends pas d'écho, moi. Ça doit être elle, monsieur. Ouf. Non, monsieur, c'est pas moi. Mêlez-vous de vos affaires. C'est qui alors? Bah... Mais. Ok. Non, un pantalon, mais par contre, y a pas. Au revoir. Au revoir, madame. Ah, il est là. Bonne chance avec vos ciseaux là. Merci. De rien. Ouais. Mais quoi, c'est pas moi. Ah ouais. Elle a, je crois, elle a 8 personnes dans sa tête. Salut. Wesh, mais qu'est-ce qui vous arrive à avoir des motifs sur votre dessin? Attends, je comprends pas là. Des motifs sur quoi? On est d'accord, il y a un truc là. Où ça? Andrew. Ouais, où? Elle a un motif. Où? Sur ton truc là, sur ton... Je sais pas comment on appelle ça là. Sur quoi? Mais sur ton haut. Ah! Attendez. T'as un motif. Toi aussi tu le vends, Andrew, non? Non. Tu vois quoi le motif? Tu parlais de ça? Non. Eh non, attends, je t'envoie par mail. Attends, je te fais une petite photo. Non, je viens de le mettre là. Quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Ah, c'est Owen. Wesh, y'a des Q8. Ah, ça, c'est la police, frère. Ah, c'est les cœurs. Mais toi, dès que tu me touches, t'es où? Tu me niques ma bécane. Mais frère, mais wesh. Tu t'es juste approché de moi. Quoi? Impressionnant. Ah, j'ai la haine. C'était quoi ce message? Les gars, c'est la deuxième fois qu'on propose 10 000 pour ma 208. Oh, j'ai la haine contre toi. Mes frères, je me prends un tableau de la merde. C'est toi, dès que tu me touches, je vais arrêter de traîner avec toi. Oh, la plus sérieuse qu'Elisa. Quoi? Non, rien. Le pire, c'est que t'as vraiment pas. Voilà, ma tenue, ça va, c'est pas trop court. Ah, t'as vu, je t'ai envoyé par mail. Excusez-moi, quelqu'un a un briquet? Ouais, si tu veux, j'ai un briquet. Non, fais pas ça, bon, frère, il y a la police, attends. Bah, c'est pas grave, c'est pas nous. Mais tu sais comment faire? On est schizophrène, nous. Non, mais tu sais comment faire ou pas? T'es là, t'allumes la moto, tu fais rouler la loupe derrière. Ah, je fais des étincelles. Tu fais tourner, vas-y. Vas-y, allume, donne-moi un briquet. Mais non, mais tu le fais avec la moto. Avec ta moto? Comme ça, j'explose. Non, d'un coup, tu avances. Vas-y, allume, Owen, allume la flaque. Allez, Owen, vas-y. Tu peux pas? Mais non, tu peux pas. Ah ouais, je croyais. On va pas déclencher une flamme là alors qu'il y a un Q8, et on va en courant, bien. Et moi, je veux pas de problème, hein. Je peux déjà plus coiffer les gens. Voilà, ça y est, j'arrive, c'est les problèmes direct. C'est Steven. Eh, clairement, Juanito, c'est toi qui as un souci, hein. Ah, bah, y'a que toi qui vois ce motif, hein. Quel motif? J'ai pas de motif sur mon haut. J'ai pas sur son haut. Il voit des dingueries. Hein. Ouais, il voit des dingueries, lui. Bon, je t'ai racheté la même voiture. Comment ça, tu m'as racheté la même voiture? Ouais. Quoi? Comme ça, on est deux frères. Ça, je déconne, je vais fermer à clé celle-là. Du coup, on peut plus l'ouvrir. Non! Et je peux pas payer le parc-mètre. Non. Du coup, je suis allé la chercher à l'assurance. Mais frère. Mais attends, il y a une voiture bloquée là, du coup, à nous. Au moins, on le retrouve, ouais, tu vois. Mais pourquoi tu l'as fermé à clé aussi? Oh là là, c'est bon, hein. Ouais, pas besoin d'embrouille, non. Voilà, t'es plus malin au lit, hein. Ouais, ça, ah, mais jure, il y a deux places. Non, mais celle-là, elle est fermée à clé aussi, Owen. Non. Non, mais t'es sérieux? Elle est parquée, celle-là. Ah. Putain, je me suis dit, non, il a quand même pas fermé aussi celle-là. Oh, Steven, t'es sérieux? Je vais faire péter ma voiture, bâtard. Tu l'enlèves sa moto, pardon. Ah, attends, je l'enlève. Non, mais c'est quoi, ça? Il perd de l'essence, là. Elle se remet dans le goudron, t'as vu? Faut que j'aille à Jean Simon. Hé! Rien, ma gueule. C'est parce que...
Mais ils sont sérieux. Il faut que ça fasse des flammes, je crois. Ça fait non, mais vous êtes sérieux là? Vas-y, on s'en va, ils font n'importe quoi là. Ils sont dangereux, hein. Vas-y. Ah, je crois que c'est pas de l'essence, frère, c'est de l'eau. Ouais. C'est de l'eau le bail. Ah, je sais pas, frère. Vous allez où, vous deux là? Je vais lui faire un gosse, j'arrive. Merci Abdel pour le follow. Je veux pas d'enfant. Ouais, mais c'est une expression. Ah. Après, on peut s'entraîner, hein. Ah, bah oui, hein. On s'entraîne à blanc. Oh. 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 Bah, tu tires à blanc? Bah, non. Mais y'a des techniques pour tirer à blanc. Ouais, c'est vrai. Non, il me saoule. Il me. Mais il fait quoi, mais. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi tu t'arrêtes comme ça? Parce que pour moi, tu as un problème de tête. Ah merde. Eh ouais, t'as reculé, frère. Non. Oula. Je te jure, il a reculé. Eh non, c'est toi qui as un problème parce que nous, non. Ah, c'est vous qui avez un problème, moi. Ah, il est fatigué. Vas-y, vas-y, insulte-le en créole. Vas-y, paix. Langue. Ah, ça y est, vas-y, commence à me rendre fou là. Il va où là? On fait bois où? Tu vas où? Comment ça fait bois où, Milan? Guetta ou même parce que me cache chez un là. Ça continue à fuir, toi. Non, salut, Hard Wiz. Hard Wiz. Hard Wiz. Ah, je t'ai dit, c'est ta moto qui a un problème, c'est pas moi. Non, non, elle était très bien jusqu'à temps que je te voyais. Eh ouais, mais ils vont où là? Je te vois, pas que je te voye. Ouais. Arrêtez de, je vais chercher une clé pour toi et du coup, de dire voye, c'est pas beau. On ne dit pas voye, on dit voix. Voilà, tu vois, ça n'existe pas. Il y a le canapé, mais sinon tu voilà, le dans le canapé, c'est pas pratique. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, mais si c'est Andrew, c'est mieux qu'il vive dans le garage que dans le canapé, sinon il va nous entendre tous les soirs. De pauvre. Bah, il mettra des boules de caisse. Oh, c'est ton frère, tu lui dis dans le garage? Non, mais peut-être pas dans le garage. Ouais, on va pas laisser dans le garage. Tu veux. Quoi, c'est quoi, c'est un mendiant, tu vas l'héberger ou quoi? Vas-y, mets-le dans le canapé. Lui-même, il sait, les gars, j'ai vécu dans un garage, je sais pas combien de temps, avec un canapé lit, une play et. Ah, mais de ça, la bouffe, c'est un trop problème. Ça. Ça, c'est parce que t'es con, toi. Ouais. Non, c'est pas pareil, c'est que là-bas, y'a pas de maison. Vas-y, frère, mets-le dans le canapé. Mets-le dans la pièce, là où y'a le coffre. Ouais, je vais voir la pièce. Non, mais de toute façon. Ouais, le bâtard, il a dit dans. Oh, il a dit dans le garage, je suis KO. Par contre, tu m'avanceras les sous. Ouah, en plus, pour dormir dans un garage. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais non, tu dormiras sur le canapé. Je te donnerai la clé, t'inquiète. Vas-y, va chercher les clés là. Mais ferme ta gueule, toi. Fais bois où? Mais j'ai une clé, moi. Bah voilà. Qu'il est bête, hein. J'ai une clé, moi. Vas-y, qu'est-ce que tu fais devant là? Mais arrête de pousser. Dans tous les cas, faut améliorer le garage. Oui, mais je crois qu'on peut rêver pour qu'il y ait quelqu'un. Oh, oui, non, mais je te jure, il m'a dit de passer à l'agence là, vous le faites. Là? Ah oui, bon, bah on y va alors. Mais ouais, je vais. Oh, allez, nos clés. J'ai pas regardé votre traversée. Je me suis déjà fait renverser une fois ici. Ah, par contre, à un moment donné, il va falloir arrêter, quoi. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est lui qui a fait de la merde ou c'est moi qui ai eu un gros bug, en fait? Oh, bébé, oh. Eh, les gars, vous voulez pas arrêter avec vos bagnoles et vos motos? Franchement, c'est pas des autotoponeuses, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais putain, ouais, je me suis fait projeter jusque là-bas avec ta voiture, là. Hein? Attends, deux speed. Ouais, bah y'en a. Là, je suis agent Simo, tiens, je viens de chercher, c'est bon. Non, mais j'ai du lag. C'est terrible. J'ai trop de lag, là. Ok. Et du coup, vous voudrez passer bonjour. Sur combien de places? Bonjour. Ok. Du coup, ça rajoutera 600 euros en plus sur le loyer. Ça marche. On le fera à partir du prochain paiement, je le compterai pas là. Ah, c'est pas possible d'avoir le garage maintenant? Si, je vais le faire maintenant, mais... À Moukat. Que la Moukat. Comment ça, mon ref? À Moukat. Chez Moutkiga.
Ouais. Ça m'énerve parce que je sais pas ce qu'ils disent. Je comprends pas moi. Alors, t'as su tenir nain aussi. Mi-soit, mi-langue, t'as où là? Ah ben, Jay. Ouais, ok, bah, du coup, on va faire ça. Et puis, ouais, je vous mettrai pour les prochains paiements. Ça marche. Juste, il va falloir du coup que je vous enlève la propriété pour que je la refasse. Vous avez bien l'emplacement? Ça veut dire que on vous doit bien... vider le coffre et tout? Ouais. Oh putain. Ouais, je pourrais pas le modifier directement, je suis obligé de... Ok. Mais même si c'est que le garage? Ouais, c'est... je peux pas la modifier directement, je suis obligé de la supprimer pour refaire. Et du coup là on doit tout enlever, tout ce qu'il y a dedans? Ouais. Je peux essayer quelque chose sinon, mais... Putain, j'ai trop mal, fait trop mal, je vais la virer. C'est une maison que vous avez ou un appartement? Une maison. Ok. On va aller sur place et on va voir ce que je peux faire directement comme ça. Ça marche. Et on sera obligé, on sera pas obligé de vider le coffre du coup? Non, ouais. Ok. On va s'arranger. Ah, le patron est là, ok. Bonsoir. Ah, lui, il est pas allé chez le coiffeur depuis longtemps. Du coup, tu me donneras les... Ah, après, c'est peut-être son style de coupe aussi. Ouais. Hein. Ça faisait peur, hein. Est-ce que je peux monter avec vous par hasard ou faut que je prenne mon véhicule? Bah là, je crois qu'on est 4 et on a une voiture de place. Ouais, mais je vais prendre mon véhicule. Juste si vous pouvez. Bah, sinon, venez avec moi. Venez, on va y aller. Ouais. T'as parqué la voiture? Ouais, j'ai parqué la voiture. Ok. Ah, c'est pas ça. On se fait. Ah. Moi aussi, je croyais. Oh, elle va bien ta mère? Mais c'est la même que la tienne. Non? Ouais, mais bah ouais, parle plus. Hein? Et ouais. Quoi? Tu parles plus à ta maman? Quand même. Ouais, bah c'est ma mère quand même. C'est trop triste. Au moment d'envoyer un message. Mais bah, c'est toi le plus jeune, c'est à toi d'envoyer un message à ta mère. Respecte ta mère un peu, Wen. Elle a bloqué mon numéro. Bah tu changes de numéro. Ah ouais, pas con. Non, mais elle m'a même bloqué sur Snap alors que je l'avais même pas ajouté sur Snap. Attendez-moi là, j'arrive. Hein. Ah ouais, elle l'a mauvaise, mec. Lui, franchement, il arrête. Faut vraiment qu'il arrête là. Non, mais il va avoir des problèmes à force de faire ces conneries là. Enfin, c'est pour lui. Hein. Du coup, bah, mettez-moi ma position. Ah, je vais serrer, je vais péter mon crâne, frère. Bah, t'as qu'à rouler moins vite. Mais non, mais est-ce que. Attends. Est-ce que vos cordes vocales aussi, elles se. Non. Par contre. C'est votre ami ou c'est comment? Ouais, c'est non, je le connais pas. Ok, ok. Allez, bâtard. Juste s'il peut me laisser passer. Ouais non, gentil. Mais il est un peu collant. Ouais, y'a pas de souci. Ouais, du coup, là, faudra juste vider le garage. Non, même pas. Même pas. Sur ce que je veux faire, en fait, ça va vous donner un deuxième garage. Ah, nickel. Ah. Mais faut voir si vous avez un emplacement pour faire une petite dépendance, en fait. Bah, qui c'est qui a éternué? Pardon. Ah, oh, oui, c'était trop mignon. Ah. À tes souhaits. Merci. Vous avez entendu? Il y a un petit éternuement. Jolie voiture en tout cas. Ouais. Bah, c'est voiture de fonction. Hein. Je peux plus. J'aime beaucoup. Ouais, ça coûte combien ça? C'est confortable. Hein. Ouais, c'est pas trop cher, je crois, celle-là. Je sais pas combien il l'a payé le patron, mais je crois que c'est 3500 ou un truc comme ça. Ah, mais ça va, c'est juste le prix d'aileron sur ma voiture. Ah, bah ça va. 3500 la bagnole, elle est pas chère. Hein. Non, vraiment. Okay, je vais t'en acheter une petite comme ça. Quoi? Je veux pas ça, moi. Je vais t'en acheter une petite comme ça. Non, je veux une grosse voiture. Ouais, faire du gros tuning dessus. Ouais, non, mais je veux de la grosse voiture, moi. Non,
mais tu mets un 130 TDI, Karato fait maison, tu vois. Non, moi je veux une Porsche Cayenne, moi, les gars, et craquer ça. Vous mettez le son là-dedans, bah, c'est moi, coûte une blinde Porsche Cayenne. Moi, je suis une femme qui a de la valeur, il me faut une voiture de valeur. Ouais, bah t'inquiète, ton RS3, tu vas kiffer. Ah ouais. Je le récupère ce soir. Ah, il y a des restes de l'explosion de tout à l'heure. C'est ça. Sur la droite, là. C'est à droite, ok. Ouais, et là, droite, c'est droite. La petite allée, là. Voilà, juste là. Ok, d'accord. Voilà. Et le garage est tout droit. Ouais, je vais juste m'arrêter ici. Pas de problème. Si vous pouvez me dire exactement, ouais, il y aura la place pour faire une dépendance, c'est super. Exactement où il est le garage, si vous pouvez vous mettre l'entrée. Dessus, comme ça je vois. Ouais, pas ouais. De problème. Histoire que je mette pas au même. T'es là. Là. Juste là où vous êtes. Okay. Ici. C'est ça. D'accord, super. C'est ici. Du coup. C'est là. C'est ici. Ethan, c'est qu'il a dit si Owen il arrive à supporter Elisa, tout le monde peut la supporter. Ouais, je suis témoin. C'est là. Tu vois ça, mon ref? Bah ouais. Bien dormi. Tranquille. Ouais. Ah, j'ai remarqué, on s'habille toujours pareil. Non. Tu veux pas t'habiller un peu plus décontracté pour ce soir, Owen? On dirait que tu... Tu vas signer des papiers importants. Non, mais CP Champagne. En CP Campagne. Quoi? Maintenant, je roule en RS3. Tu connais pas? Oh, il me fatigue. C'est juste... T'as cassé la loge. Vous pouvez me répéter juste le me redonner le numéro de votre 0, clé, s'il vous plaît? 0114. 114, ok, merci. Ah oui, tiens, en fait, je vais te donner une clé à toi. Attends, merci. Tu la donnes pas à tout le monde, hein. C'est ta clé, hein. Bah tiens. Oui. Merci. Si t'as confiance en moi, tu peux avoir confiance en mon frère. C'est vrai? C'est vrai. Mais je dors pas avec ton frère aussi. Bah heureusement. Ah. Hein? Non, mais regarde, j'ai un endroit pour mettre un petit canapé lit dans le bureau, comme ça tu pourras jouer à Fortnite et tout. Ah ouais, on a un putain de setup, tu verrais. Enfin... T'as la 3800 RTX. Au pire, tu sais, on met un lit pliable. Il manque quand même un bon siège. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh, je suis resté un nombre de temps incalculable sur une vieille chaise en bois prise dans le salon. Ouais. Ah, j'avais mal au dos. Non, mais notre nouveau siège, il est bien. Hein. De ouf. Bon, putain, 300 balles le siège, par contre, ça fait mal au cul. Hein. Ouais. Tu sais que j'ai pris du muscle. T'as musqué maintenant. Ok. Hey, je te jure, j'ai pris 200 grammes. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est déjà pas mal. Ouais, bah y'a un début à tout. Hein. Ça commence ici, ça va jusqu'à là-bas. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans 15 minutes, faut que je sois au moulin. Coucou Juanito. Et je peux toujours pas coiffer. Je sais pas comment on va faire. Juanito. On est dans le caca, hein. Juanito. Ouais. Faut que j'appelle Hiram pour le prévenir. Hiram. Okay. Vas-y. Ouais. Putain, mais faut savoir. Là, je suis bientôt dans mon nouveau garage. Il parle de son garage comme si c'est sa maison. Bah on peut pas parce qu'après on doit aller au moulin. Mais je peux pas coiffer. Je peux faire... Comment ça t'as une nouvelle villa? Ouais. Tu l'as sorti de tes fesses? Hiram. Ouais. J'ai un problème. Ouais. Je peux pas coiffer. Ouais, je sais ça. Ouais, je sais. Ouais, je sais pas comment on va faire. On peut pas coiffer les gens. Ouais bah... Et tu sais démaquiller? Alors les barbes c'est ok, le maquillage j'ai pas testé. Attends, je vais essayer de maquiller Owen, je te rappelle. Vas-y, c'est quoi, je te rappelle après. Owen, bouge pas. Ne bouge pas, hein. Je parte. Non, je vais essayer de te maquiller.
Non, mais c'est bon, je peux te maquiller. Et attends, je vais essayer les yeux. C'est bon. Non, mais c'est bon. Il y a que les coiffures que je peux pas, putain. Tu peux changer la couleur de peau? 12 secondes. Qui c'est qui a essayé de m'appeler il y a 12 secondes? Comment ça? Comment ça, mon ref? T'as cru que c'était de la peinture ou quoi? Oui, allô? Oui, vous avez essayé de m'appeler? C'est l'agent immobilier. Oui. J'ai eu un petit souci là. Je suis pas loin, mais j'ai dû tomber. En bas, j'ai glissé dans la falaise. Ah. Et du coup, c'est possible de m'envoyer la position, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vous envoie ça tout de suite. Ok, merci. Et à qui tu parles, là? Tu parles à un clodo, mec. Ouais. J'ai 2600, mec. Bah, en même temps, pour construire un garage. Ah putain, non, je devais rappeler Ram. Il m'a perturbé. Bah, mec, pour construire un garage. Pourquoi tu peux pas coiffer? Un bug. Je me suis dit, oh, c'est un bug, déjà cet après-midi. Donc, Yo Walid, comment ça va? Bah oui, merci. Ouais, je peux maquiller, je peux m'occuper des petites barbes, je peux m'occuper des lentilles, mais je ne peux pas coiffer. Voilà. Ah, c'est le plus important, la coiffure en plus. Hein. Maintenant, ouais. Tu l'appelles que Moukat. Prends ça pour le maquillage. Si Anna veut le soir, ça, ma petite Moukat. Ouais, je te rappelle. C'est à qui que tu parles, Owen, là? Yama ou mon petit Moukat. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire je t'aime, ma petite chérie. Andrew, est-ce que c'est vrai? Ouais. T'es sûrement pas. Est-ce que c'est vrai, Andrew? Ouais. Ok, désolé. Ouais. Tu mens, coup, tu t'es en train de me dire des mensonges. Mauvaise idée de répondre au téléphone pendant qu'on travaille. Ah, quoi? Non, mais Miyamaou, je t'aime. Quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire dans le chat, là? Sérieux? Je suis curieuse de savoir. Bon, je vais jouer le jeu comme si je savais pas, mais... Non, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'énerve. Ouais, je vais parler français, alors. Oui, c'est ça parle français. T'as raison. T'as dit quoi en français? Rien. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'avais oublié que t'avais tes lentilles. J'ai pas entendu ce que t'as dit, en plus. Hein. J'espère qu'ils ont pas entendu. Bah, si tu l'as dit, ils l'ont entendu. Vous avez entendu? Je sais pas ce qu'il a dit. Des bêtises. Ouais, bah ça c'est sûr. Hein. Comme d'hab. Bah ça va, je suis pire. Hein. Je suis mature. Au fait, ton père il est mort. À qui? Andrew. Ah. Mais c'est pas qu'est-ce ton père aussi? Bah je sais pas, je l'ai appelé avant-hier, il apparaît. Mais je sais pas moi. Mais non, mais qu'est-ce que tu dis? Vas-y. Pourquoi il y a des bruits de police? Ouah. C'est qui? Il y a quelqu'un qui arrive chez nous, on sait pas qui c'est. Il y a une Tesla. S'il est portugais, il vient construire le garage. Quoi? Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Il est là le... Ouais, je suis là. L'agence immobilière, c'est un ami à moi, il m'a donné rendez-vous. Ah, vous vous demandez qui c'était qui arrivait? Ça va? Ouais. Vous allez bien? Fais peur, ça va. C'est une fête, vous faites? Non, je suis en train de régler un petit peu leur garage. Ok. Venez. Excusez-moi, je me permets d'entrer sur la propriété. Avec moi, il faudra que je fasse des clés pour tout le monde. Ouais, je suis le colonel. Ah, on veut bien des clés en plus, non, oui. Non, c'est bon, c'est. Si, faudra faire, si. Pardon. Ah, ouais, là, ça me dit de louer. Ouais, allez-y, c'est pour zéro. Enfin, voilà, vous inquiétez pas, prenez. Et. Du coup, ça vous fera un garage en plus. Ah, c'est bon. Mais du coup, on peut rentrer que par là dans le garage? Ouais, oui, allô?
Ça va, ça va, ça va. Il a disparu. Non, il est rentré. Oui, il est rentré à l'intérieur. On peut rentrer à l'intérieur. 133, c'est déjà fait. What? Ça pète ça? Et il va dormir là. Oh, il y a un coffre et tout. Aïe. Ok, ok. Mais je crois que c'était un garage pour les voitures, moi. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire, donc. Pour rajouter, en fait, un garage, il voulait changer. Enfin, une propriété, il voulait changer le garage. Mais du coup, c'était un problème par rapport au coffre et tout. Et c'est j'ai rajouté un local en bis. Mais un local sans stockage de coffre, juste avec un garage. Et je rajoute le supplément, ça va, ça passe. J'ai pas compris. En combien de fois? De quoi? C'est une grande maison avec une dépendance, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Et sur le prochain loyer, du coup, je leur rajoute le prix du garage en 6 places. C'est bon? Ok. Mais pour le nom, par contre, j'ai mis 114B, du coup. Ah, c'était 114 la propriété, j'ai rajouté un bis. Ça, elle est bas. En fait, le garage, il est là. Ah, ok. Et on a 8 places. Oh, je l'ai baisé. Oh, putain. Et puis en plus, on a un truc pour stocker encore notre coffre. En plus. Parce qu'il n'y a pas de stockage. Et tu sais quoi? Non, je sais pas. J'ai pas de compte en banque, je peux pas prendre le garage. Excusez-moi, c'était pour le patron. Du coup, on va repasser à. Sérieux, je vais vous passer les clés. Ouais. Pour les deux, donc deux doubles, c'est ça? Non, on est trois. Ouais, il y a une personne qu'on a déjà, voilà. Ah oui, c'est bon. Du coup, je refais deux doubles et comme ça, vous aurez un garage de place plus un garage 6 places. Mais voilà, après, ça, on pourra le déplacer? Ah, vous... ah bah non. Ah, ok. Parce c'est... que, en fait, ouais. Mais comme il y avait l'autre là-bas, je voulais pas le mettre dessus, quoi. Non mais c'est bon, ça ira ici, y a pas de soucis. Oui, c'est bon. Quel est le problème, Owen? Non mais c'est que je me dis des fois que tu sais qu'on reçoit du monde, bon c'est pas grave. Oh mais bah non, écoute, on... Pas. Oh c'est pas grave, c'est pas grave. Ils se mettront dans la rue. Hein. Au pire on les mettra t'inquiète, nous-mêmes dans le garage. À ta place. À moins que tu veux faire une collection de... Putain mais j'ai ma caméra, elle veut pas hein, ce soir. Hein. De? Bordel de merde. Je vais la casser. Ah bah d'accord. Ah ça ouais. Pardon quoi? Une collection. On a perdu la voix. Une collection de voitures. Ah bah c'est prévu. Oui bah dans ma tête j'ai des petits soucis, voilà j'essaie de régler des petits soucis dans ma tête. Ah ouais ça met des vents comme ça. Oui, du coup ouais on va passer à l'agence et je ferai ça. Et puis bah pour le paiement moi ce sera à partir du prochain je rajoute 600 euros dessus du coup. Ça marche. Moi c'est nickel. Parfait. On va à l'agence du coup. Ouais, ce qui nous fait du coup, ce qui fera du coup 3 putain, minutes. Putain, moi dans pas longtemps, faut que j'aille au moulin, hein, les gens. Je dois y être à écart. Hein. Je vais voir juste le colonel et je vais lui dire que je vais à l'agence. J'arrive. Ça marche. Je vais être en retard. Est-ce que tu penses qu'il le laisse, ou pas gratuit là-bas là? Enfin, genre. Bien sûr que bah oui, il le laisse. Oui. Ah, bah, je l'ai niqué, j'ai 8 places. Dites rien. Non, mais genre là-bas, tu sais. Ah, le petit KGB là où c'est tu bon vas dormir. Non, attends. Moulin Rouge? Oulala! Ouais, grosse soirée, Moulin Rouge, ce soir, faut y aller. Hein. Ah bon? Oui, on m'a dit au téléphone, il y a une soirée. Là. Oh, j'avais pas vu la voiture, putain. Oh putain! Oh là là là. Je t'arrive. Putain, j'aime bien. Oh, c'est quoi le thème de la soirée, s'il vous plaît? C'est un TDI là? C'est soirée surtout pour les femmes. C'est un électrique. Bah, non, là, vous manquez de respect. TDI. Il faut mettre un 130 TDI reprog. C'est une Tesla. Non, ça c'est moteur électrique. Bah dis donc, j'aime bien. Moteur auto-tamponneuse. J'ai un collègue à la tête des palmes, mais c'est un peu loin pour vous. Mais il vous reprog ça là. Il vous fait fumer noir. Ah ouais? Ça, la fumée noire? Joga. Non, après il fait plutôt les TDI, les Seat, les Cupra, ça. Bah vas-y. Mais un barbecue dans le coffre ou quoi? C'est une voiture chicha. Mettre un grillade. Ah putain, oui, mais ouais, je vais être en retard. Quand ça va sur les charbons, ça rougit, ça fait de la fumée. Bon, vas-y, on se donne rendez-vous à l'agence. Oh, je vais être en retard. TDI 140. On va oh, c'est une voiture de fou qu'il a.
Non mais t'inquiète, ton RS3 il va tuer. Mais c'est qui lui? C'est un colonel peut-être? Ouais, c'est mon colonel de l'armée. Ouais. Colonel, ah ouais, bah vas-y, ouais, ça pépette. Hein. C'est non, c'est voiture de fonction ça. Ah ouais, voiture ouais. Fonction. Ah bah on n'a pas les mêmes hein, chez le coiffeur. Hein. Ah c'est sûr. Non, rococo. Oh, c'est quand même bien, mais c'est pas pareil. Hein. Eh, y'a un turbo là sur la voiture. Putain, je peux pas coiffer, ouais, c'est la jambe. Ouais. Oula, qui c'est qui s'envole? C'est quoi ça? Owen, c'est toi. Ah, c'est mon téléphone. Ah ouais. Non, j'ai un pote. Il imite la moto maintenant, ton téléphone. Non, mais il m'a envoyé une vidéo d'un de tes Max Turbo. Ah, ok. Ah. Ah, ça vient de Saint-Louis, ça. Ah ouais. Et vous, monsieur, vous venez d'où? De Saint-Paul. Saint-Paul? Ah, moi, plus côté Saint-Benoît. Ah, dans l'Est, ok. On va se mettre là. Merde. Pardon. Démocrate, je pensais que c'était bon. Allez-y. Reviens, je vais reculer un peu, attention. Ouf. C'est qui fait ouf? Ouf. Et qui a fait ouf? Oui, c'est bon, j'avais bien compris en fait, vous avez dit ouf. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a fait ouf. C'est peut-être moi, ça c'est. Ah, c'est vous. C'est, ouais, ça m'arrive. Il fait ouf, toi? Il fait ouf. Ouais, ça m'arrive, c'est mon chien qui manque. Ah. Il a mis un bac pété, lui. C'est vrai. Mais ouais, mais c'est ma voiture. Non, mais c'est Parkmet, je comprends pas pourquoi. Mais c'est Parkmet à chaque fois qu'il casse ma voiture. Oh là là. Je me débrouillerai. C'est vrai, mais oui. Non, mais au pire je vais, puis quand t'as besoin je viens te chercher. Ouais, vas-y. Ou sinon je viens vous chercher. Non, ça ira, monsieur. Ça ira? Oui. Je vais se débrouiller. Ouais. Oh, je sais pas, moi c'est votre femme. Moi je veux bien faire un tour de voiture quand même de Tesla là. C'est vous qui connaissez la voiture. Non, mais après, tu sais quoi? Ben, c'est quoi? Andrew il va se débrouiller, il va payer tout ça, il va payer la facture. C'est mais bon, qu'est-ce que tu fais? Mais moi je vais faire un tour de Tesla! Rien à foutre, tu montes. C'est pas drôle. Hein. C'est pas gentil. Un tour de Tesla, moi. Pourquoi tu veux pas que je fasse un tour de Tesla? Parce que. Ok. Il y a un monsieur habillé tout en rouge qui court. Oh non, il pleut. Ouah. Tu me déposes là? Merci. Il pleut, hein, t'aurais pu me déposer devant la porte. Hein. Oula. Merci. À tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Oh, j'ai bien. Ah, c'est bien. Quoi? Bonsoir. Ah non, je suis pas d'accord. Hola. Hola. Ça va? Bonsoir. Oh, t'as amené tes outils de coiffure, Elisa? Alors. Qu'est-ce que t'as sur ta chemise, toi? Hein non, rien. Bah, le problème, c'est que je peux pas coiffer. Je peux faire la barbe, le maquillage, les yeux, mais je peux pas coiffer. Non. Ouais, gros problème dans la ville. Si tu veux une grosse barbe, j'en ai une. Donc, du coup, là, je peux pas coiffer. Oh, pardon. Pas de mal. Ouais, là, en pleine discussion. Attends, je laisse finir, madame. Non, j'ai terminé, c'est bon, vous pouvez y aller, monsieur. Oui, monsieur le ministre. Oui, monsieur Kazuak. Oui. J'ai une petite question. Tu sais, il y a le vendeur de moto, là.
Oui. Il me dit, t'es sûr que que Mida c'est meilleur les customs? Va lui dire s'il te plaît, parce qu'il croit que je parle chinois. Mida, il fait des customs? Franchement, ça passe comme ça. Oh putain, Max. Oh, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Non, en vrai, ça passe ou pas? Comment ça, je t'avais pas vu? C'est une soirée. Franchement, non, tu fais trop peur. C'est trop horrible. Vas-y, imagine, on est là. Qui c'est qu'en train de prendre des capotes là-bas? C'est une soirée de gâchis ou de bonhomme? Putain de cerveau, mais horrible. Putain, qu'est-ce qu'il a mis sur la tête, le patron? Il y a autant de monde, de mecs dehors. Oh, il rame. Il y a plein de gars dehors. Putain, vous êtes tous sexy, les mecs, là. Heureusement que je suis en couple, sinon je me tiendrai plus là. La chaudière. J'ai littéralement chanté en même temps. Bah tant mieux. Ah, on dirait pas mon gars. Ça va mon adjudant. Colonel. Vous travaillez ici aussi madame? Eh hey, Iram Mastalou pour la coiffure. Enfin pour les gens qui je peux pas coiffer. Okay. Ah je sais pas, je me disais waouh. Wow, mais je peux les maquiller hein, au moins. Les maquiller. Ah ouais. On peut pas coiffer. Mais on peut pas coiffer. Vous achetez des capotes, monsieur? Excusez-moi, il y a pas de videur. Ah ici, si, je suis garde. Ah. Ah t'es garde. Ah, c'est pas je. C'est un nouveau gardien. C'est un nouveau gardien de capotes. Incroyable. C'est ce que je dois avoir vu sur tout le bâtiment, c'est tout. Son prénom, c'est Fond de Capote. Ah, je suis d'accord avec le monsieur. Par contre, évitez de manquer de respect. Merci. C'est qui est sur scène là? Je te manque de respect si je veux, je suis chef de sécurité moi ici. C'est bien, je travaille pas pour toi. Je travaille pas officiellement ici, je travaille pour ton patron. Ah ouais. T'as rien à me dire, c'est merci à toi. Excusez-moi. Eram, ouais, Eram, bah dis-lui si j'ai rien à dire, dis-lui. Non, François, t'as rien à dire, vu que t'es intérimaire ici. Oh, merci. Ah oui. Ah, voilà. Ah ouais, c'est comme ça que ça finit. Ça pousse monsieur Iram. Eh, mais il y a des gens qui surveillent devant ou pas? Parce qu'il y a un mec qui est en train de forcer des voitures. Ah, non, comment ça? Quoi? Comment ça? Mais pas ton 4x4, mais. Ah, mais je m'en bats les couilles, mon gars. Bon. C'est moi qu'on m'appelle? Oh, regarde. Ah non, c'est pas moi. Putain, il y a des gens, hein, ils sont leur micro qui est près du milieu. La soirée, c'était pas sur les filles. C'était compliqué ces derniers jours, mais ça va. C'est les filles, la soirée, non? C'est lui là, oui. C'est ce monsieur. Ouais. Dis-moi, t'es où? Là, y a des gars là. C'est pas vous qui crochetez les voitures? Iram, je m'installe où du coup? C'est pas vous? Y'a personne là. Hein. Surveille depuis tout à l'heure. Non, en fait, c'est justement pour ça. Faut que je te parle. Ah oui, tout à l'heure, faire prendre les taux. Ah ouais, ok. Vas-y, j'arrive. Iram, du parking. Oh, comme il me snap depuis tout à l'heure, ça fait 4 fois que je pose la question. Ah, il peut pas me répondre, Iram. Hein. De quoi? Ça fait 4 fois que je lui demande où c'est que je m'installe pour coiffer les gens, mais il me répond pas. Tu verras, t'inquiète, j'arrive. Ouais, mec, parce que vu l'heure qu'il est. Ouais, bah frère, j'ai essayé, elle a pas l'air intéressée. Moi, je vais mettre là, tant pis, il avait qu'à me dire. T'as dit quoi? Attends, mais je peux pas passer. Ouais, faut enlever une barrière. Attends, je vais l'enlever. Mettez-vous là où il y a la table, c'est le tatoueur, et puis vous pouvez mettre le coiffeur à côté. Ah non, moi je vais pas vers le tatoueur. Hop, pas mettre à côté. Ah bah, t'es quoi? Bah, attendez. Attends, mais c'est pou. J'ai parlé de toi, elle m'a dit non. T'as arrêté de quoi? De Tsepou? On aurait dit un enfant qui parle. Arrêtez de me Tsepou. Écoute, désolé mon pote. Arrêtez de me Tsepou. Ouais, t'inquiète. On aura plein d'autres des fois. Vas-y, je vais mettre une chaise là, un peu de lumière, tout. Mais non, voilà, parce que tu tu l'as fait fumer. Ouais, ouais. Putain, mais pourquoi les gens ils montent sur les bécanes qui leur appartient pas? Te rate. Vas-y, descends. Tant pis pour elle. Bah ouais, mais j'allais partir. Elle a pas de chance. Ah, c'est la tienne. Putain, elle a pas de chance. Je suis comme un ouf. Pourquoi elle monte pourquoi elle fume comme ça? Mais je peux même plus monter dessus maintenant. Parce qu'il y a des problèmes. Si ça t'appartient pas, faut pas monter dessus. Je vais comprendre ça. Bon, écoute, moi je te laisse. Vous arrêtez de me sépou là? Okay. Ah, ouais, mais t'es où? T'es où? De leur cul ici. Putain, t'as pas compris que t'es le poisseux des motos? Frère, je suis pas moto. Pas ça quand même. Ah non, non, il y a que sur la scène, je suis monsieur, ça s'est mis à punaise. C'est trop con. T'as faisait pareil avec la mienne. Après, avec ce combra, c'est. Ouais, je suis en Tesla. En fait, les gens, ils ont un choix, ils ont pas compris. C'est vrai, c'est une soirée meuf, il y a plus des mecs qui viennent. C'est de la bouche, mais c'est qui a des Tesla? Ouais.
Ah, t'es à l'intérieur. En tout cas, le 4x4 là-haut il est pas mal. Hein. Ils sont plusieurs là. Mais oui, j'aurais dû dire. Ah, je suis comme, comme font, pas. Vous êtes chiant, je peux pas placer mes affaires, vous êtes tous autour de moi. Attends, vas-y, on va venir. Bougez. Ah, je suis comme un ouf, je suis à pied. Ah, je jure. Vas-y, Daron. Oui, si on rentre. On rentre. Déjà ? C'est la bécane, elle est marre du temps. Non, mais je comprends pas. Alors, il faut. Les gens, ils touchent vos équipes. On peut aller, après, tu te trouves à pied. Elle est morte. Qui ça? Lisa, tu rentres? Quoi? Tu rentres? Attends, j'installe mon petit stand de photo. De photo de. Vas-y, de vas-y. Coiffure. Ah ouais, ok, c'est bon, je comprends mieux maintenant. Attention, madame. Ouais, Voyana. Rien. Ah, tu vois. Écoute, je pète ta main là. Bah, y'a rien. Oula. T'as rien en main, tu. Vas-y, bref, tu te mets au bar ou tu danses toi? Ah oui, attends, je perds pas. Ah, c'est, en fait, c'est dans ta que gorge que je m'entends. Si. Je te jure. Tout à l'heure, tu vois, je t'entendais pas. T'es dès que tu ouvres la bouche, vas-y, essaye un truc, je sais pas. Je m'entends pas beaucoup, mais. Bah, après, c'est normal. Dès que tu t'en. Genre. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que je parle moins fort. Je parle fort, là. Bon, ça va, c'est pas mal mon petit stand pour coiffure, là. On voit rien. Pourquoi on voit rien? Ah, moi, je vois rien. Bon, mais toi, t'as vraiment des problèmes. Hein. Tu vois un truc, Voyana? Ah non, on voit rien du tout. Hein. Ça, vous voyez rien? Non. Ah non, y'a rien du tout. Hein. C'est pas possible. Tu veux que je le fasse, peut-être? Mais je te jure, j'ai mis des choses. Envoie une photo de ce que t'as fait que j'ai regardé. Attends. Ah mais, je peux pas aller. Vas-y, bref, c'est pas grave. Attends, mais c'est Wen là-bas, là? Ah, c'est pas Wen. Ouais, tu es vraiment bien en biker. Vas-y, bref. Vas-y, Voyana, moi, je vais rester à l'entrée, là. Ok. T'inquiète, je paye. Si c'est payant, je paye. Ok. Mais c'est dans mon sort. Alors, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est une soirée spéciale fille. Ah. Ah, c'était marqué dessus. Il y a une dame de chez vous qui vient de nous dire il y a une grosse soirée et tout, venez. Ah, mais non. Ah, mais non, mais les hommes, ils ont pas le droit de venir. Ah, c'est bossé. Ah, mais je croyais que les hommes pouvaient venir, moi. Non. Ah, ben, si vous voulez, on fait les danseurs, y'a pas de problème. C'est débile. Bon, personne. Au complet. Ah, bah, merde. Ok. Bon, bah, ça y est. Je pourrais faire. Eh, hey, mais Iram, t'auras personne si t'acceptes pas que les mecs ils viennent. C'est pas grave, hein. Tu vas avoir quoi? Deux nanas? À tout péter? Bah, bonne soirée. Oh. Bonne soirée avec toutes les meufs de la ville, hein. Allez, on va. Mais putain, mais Iram, mais pourquoi les femmes, les hommes peuvent pas venir en fait? T'as rien, mais ils veulent se battre. Mais y'aura personne. Ah les gars, moi, allez, Barry, demi-tour. Demi-tour. Mais non. C'est spécial film ou 4? C'est spécial film ou 4? Allez. Il y a personne qui va venir. C'est vrai ce qu'il raconte? Je te jure, frère. Ben, il vient de l'apprendre. Ah, les bougons, on est obligé de le faire partir même. Il vient de virer des mecs? Mais non. C'est un fou, lui. Non. Oui, vas-y, Ram, vas-y, dis-lui. Non, calmez-vous. Ouais, c'est bon, je sais. C'est bon, il va sortir. Parce que là, c'est parfait. Attends, tu vas me dire si tu vois, moi, ce que je posais. Bah ouais, mais moi, je vois déjà mes affaires à moi, en fait. Personne voit ce que j'ai mis, là? Non. Qu'est-ce qui s'est passé, Vaillant? Pas du tout. Mais c'est fou, ça. Attends, bah, je vais les enlever.
Les petites baskets. Ah, vas-y, enlève tout. Et je vais poser. Attends, tu sais quoi, je pose ça au plein milieu, vous allez me dire si vous voyez. Vous voyez ça? Bon, allez. Non. Vous voyez? Non, mais tu sais, ça fait non. Comme le truc des guitares là. Bon, allez, moi, je retourne dans mon service. Mais si, ah, non. Ah, mais non, c'est pas Vaiana, okay, c'est la madame là. Ouais, mais je vois tout que tu parles. Vous allez bien? Waouh. C'est bon. Vas-y, bref. Madame. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui. Sachez que si vous avez un problème à l'intérieur, je suis vigile et vous me faites un petit comment. Ah, on risque pas d'avoir de problème, il y aura pas de mec à la soirée de toute façon. Non, bah oui, mais on d'ailleurs, il y aura personne parce que les femmes, croyez-moi, elles vont pas venir. Il va y en avoir peut-être 3. On sait jamais, hein. C'est con de faire ça. Après, je vous propose juste comme ça, si vous voulez pas, tant pis, hein. Non, mais après, franchement, elle est entourée de garçons déjà, donc bon. Oui, bah après, lui, c'est avantage. Lui, c'est mon petit ami, on fait l'amour la nuit ensemble. Ah. Oui, bon, ça me regarde pas. Eh, boulot plus chantier, mon pote. Du coup, je disais. Mais ouais, c'est ce que je me disais, fallait qu'on rentre. Non, il a plus de muscle du tout là. Allez, c'est sa poil. Gros bec. Ah, bien vu. Par contre, c'était vraiment très bizarre ce que vous m'avez dit, madame. C'était quoi? Non, mais laisse tomber, frère. Ce que vous m'avez dit. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On joue aux cartes du coup? Parce que. Non, ça y est. Moi, j'ai prononcé. On fait un Monopoly. Hong Kong. Oh, King Kong. On se fait un cache-cache. Arrête, frère, tu veux te faire niquer. Vas-y, rentre. Non, vas-y. Moi aussi je veux pas être. Eh vas-y frère, viens reste sur le côté, ouais. Puis hein, si tu veux. Ouais. Mais reste avec moi, Owen. Je vais pas coiffer des gens. On va s'ennuyer hein. Et tu dois rester dehors? Bah je sais pas trop ce que je dois faire de toute façon. Alors en plus de ça, il va y avoir personne. Mais ouais, mais je comprends pas. Il y a déjà pas beaucoup de soirées en ville, alors quand il y en a une, si les hommes peuvent pas venir. Ils vont tous se faire embarrer. Ah, c'est le tatoueur, ça. Il rentre avec deux hommes. Ah, bah, c'est cette madame là qui m'a choqué d'ailleurs. Ah, je crois aussi. Quoi? J'ai mis un peu ce qu'il y a plus de spam. Non, rien. C'est bizarre d'avoir des hommes tout torse nu partout là. Ouais, bah regarde pas trop. Bah, comment veux-tu que je ne regarde pas? Y'a que ça, Owen. Y'a pas de torse nu, des yeux. Bah, t'as qu'à te mettre torse nu aussi. Ça provoque. Quoi? Non? Pas du tout. Bon. En fait, mais c'est Elisa. J'ai pas trop de tatouages moi. De quoi c'est Elisa? C'est vous Elisa, non du coup? Oui, c'est moi qui me parle. Ah ok. C'est là Elisa. C'était très étrange ce que vous m'avez dit. De quoi? Bah ce que vous m'avez dit à propos de votre mari, je sais pas quoi. Je suis pas mariée. Non mais de votre copain, vous savez. Mais laisse-la perturber, honnêtement ça m'a perturbé. Mais non, mais elle m'a dit un truc, genre elle m'a dit. Ouais, vas-y, dis-leur, Ethan, vas-y. Putain, oui, j'ai entendu ce qu'elle a dit, mais moi. Ah, regardez en plus comme il est musclé. Oh là 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 là. Oh, ça va, calme-toi. Là. Oui, mais oh là là, vous avez vu. Il est nul en bagarre. Il sait rien faire. Bon. Oh, arrête de te la péter, toi. Rabaisse-toi comme ça. Au moins, il est humble. Ouais, il est humble. Justement, même, il même toi gagner. Tu le bats, même toi tu le bats, je suis sûr. Ouais, oui. Tu l'as battu une fois. On fera un tour d'autre. Non, c'est que. Oui, je t'ai battu une fois, c'est toi que je t'avais battu. Et les gars, on n'a pas la même utilisation que nos doigts, ok? Ouais. Ouais, ça va peut-être vrai ça. Nos doigts, nos bras, tout ce que tu veux. Justement, c'est parce que je suis beaucoup entraîné avec mes doigts que le attends, attends, c'est vas-y, mets CP Company. Une couille humaine. Qu'est-ce que tu fais, Owen? Eh, ma couille, ça va? Et en vrai, attends, mais il rame de retard. Tout le monde en vrai. Il va y avoir personne sinon. Bah oui, je comprends pas en fait. Qu'est-ce que tu veux? Personne va venir. En vrai, il rame. C'est mes compagnies. Il rame. Ouais. On devrait faire rentrer tout le monde, non? Bah. Parce que là, personne, frérot. Bah oui. J'improvise. Attends.
Après, c'est sûr que tu privilégies les femmes, mais il faut quand même que les hommes puissent venir, tu vois. Ah, il fait comme moi. Tu mets 22 ans et tu dis c'est tout le monde. Ayana, t'es même mes muscles. C'est quoi la danse? Non, mais... Quoi? Owen, t'en veux une ou comment ça se passe là? Tu veux que j'aille voir Ethan et que je lui dise hé Ethan, t'aimes bien mes seins? Tu veux des droits? Ouais, sérieuse toi? Non, mais tu viens de aller voir Vaiana pour lui demander si elle aimait bien tes muscles. Tu lui demandes si elle aimait ma bite? Non, mais attends. Non, mais sérieux, tu demandes pas ça à une femme. Tiens, voilà, bah voilà. Tiens, bien fait. Non, tu te niques, bien. Mais d'où on demande ça? N'importe quoi, c'est incroyable ça. Pense quoi toi? Ah, t'en penses pas grand chose? Merci, comment? C'était très instructif. Non, je te demandais ce que tu en pensais du fait que Owen demande à une autre femme que moi si elle aimait bien ses muscles. J'ai pas compris. Attends, c'est celui-là, je crois. Attendez. Il faut juste que. Putain. Attendez. Ah, mais c'est pas grave, je vais demander à quelqu'un d'autre. Au pire, vous me direz après. Oui. Ethan, tu cries. Ah ouais, merde. Moi-même, j'ai pas compris. Oh putain, c'est quoi ce short, Ethan? T'as vu la grosse paire que ça me fait? Bah non. Oh, t'es une coquine. Bon, attends que ça. Tu danses par contre un peu... Ah ouais, d'accord. Mais vous voulez pas danser des danses d'hommes, là, un peu, là? Des danses d'hommes? Eh ben non, tu danses comme une fille. Du coup, oui, imagine... Enfin, je te dis, Owen, il est allé voir... Vaiana, et lui a demandé si elle aimait bien ses muscles. Et alors? Tu trouves ça bien, toi? Bah, ah putain, non, mais je sais pas à toi qu'il faut que je demande ça en vrai. Ah ouais, d'accord. Du coup, Juanito, il devait... Juanito? Tu m'as installé? Mais non, tu m'as pas installé, mon... Parce que, en fait, tu le vois pas. Attends, je te montre. Non, mais fais-le, parce que moi, quand je le fais, personne le voit. Mais moi aussi, je crois que personne le voit. Hein. Non, mais ici, c'est bug. Ah non, encore des trucs qui vont pas. Vois, non, mais je vois... Attends, non, laisse tomber, on voit rien. C'est bon. Ouais, bah voilà. Rien, laisse tomber. Elisa, tu vois ma pancarte? Non. Ah, tes lunettes. Bah voilà, c'est bon, on verra rien. Et ouais, c'est bon. Juste aussi, si. Ouais. Bah tant pis, vas-y, je coifferai les gens debout, j'en sais rien. Oh, je les coiffe pas, ouais, voilà. Ça me saoule là. Ouais, mesdames. Ouais, tu coiffes pas. Il y a trop de galères. Tu peux faire rien. Profitez-en, ouais, voilà. 10% ce soir. En plus, tu vas danser. Hein. Bah, moi, j'ai déjà des tatouages. Ah, Elisa. Quoi? Au pire, tu vas danser. Hein. Non. Déjà qu'il m'a bien gavé là, Owen. Bon. Ah, ce soir, tu construiras pas l'autour Eiffel, frère. Oh là là, là c'est fin de chantier, frère. C'est fin de chantier. Ah, évidemment, il va s'excuser, blablabla, comme tout le monde. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as demandé si elle aimait bien tes muscles. Mais c'est pour savoir si mes obliques sont assez gonflés. Mais c'est à moi qu'il faut demander ça, pas une autre fille. Bah non, j'allais pas demander parce que si c'était pas parfait, après ça allait pas satisfaire. Mais moi, je vais être le plus parfait pour toi. C'est bâtard comme il retourne la tête. De toute façon, je t'ai déjà dit, parmi tant d'autres, il y en a qu'une que je vois. Parce que tu m'éblouis, je peux rien voir à cause de toi. C'est pour ça que je fais des accidents. Non, mais attends, arrête, tu crois que tu vas t'en sortir là avec tes belles paroles? Eh, mais. Eh, mais. Toujours tu crois c'est des excuses et tout, alors que moi je suis là, je dis la vérité. Ouais. Mais je boude quand même. Eh, mais non, si tu boudes, si tu boudes, oublie pas que... Quoi? Arrête de bouder. Mais je boude. Je boude si je veux d'abord. Non, je boude. Mais pourquoi tu me boudes? Mais parce que tu demandes à une autre fille qu'elle te regarde. Mais t'as vu le nombre de mecs qu'il y a à l'intérieur en caleçon? Et alors? Bah tu regardes. Mais je regarde rien du tout moi. Bon allez viens là. Eh, tu devrais te... Oh merci. C'est bon? Oui, moi aussi je te fais un câlin alors. Merci. Bon j'ai... Je remets mon t-shirt. J'ai pas très bien visé. Attends, je refais. Aïe, ils sont tous rentrés. Wesh. Non, c'est taillé. Quoi?
Comment ça, c'est taillé? Bon, Je sais plus comment elle s'appelle. C'est peut-être mieux comme ça. Tu sais quoi, je crois que je vais me faire un tatouage. Je sais pas, elle est partie. Viens, on se fait le même tatouage. Là-bas. T'as allé. Je sais pas pourquoi. Mais faut voir un tatouage que les hommes et les filles ont. Viens, on va demander au tatoueur. Il est où? Ah, attends, non, tu sais quoi, faut que je passe par Ethan. Pourquoi? Parce que. Bah, il danse à l'intérieur, Ethan. C'est pas grave, j'aime trop son caleçon léopard. J'avoue, il est trop stylé. Quoi? 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 Comment ça, il est trop stylé? Bah, il est rigolo, quoi. Ah, parce que t'as regardé. Tu prends mon camion. Un peu? Tu l'encules. Pas, c'était juste une question vestimentaire. J'ai regardé, mais moi en même temps, ils sont tous là, qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est pas que j'ai regardé, c'est que j'ai vu, quoi, c'est tout. Parce que tu crois qu'avec tes belles paroles, tu vas t'en sortir? Oh, attends, on va faire comme toi. Non, tu vas pas aller. Sinon, on lui fait. Ça va, Owen? Ah, ouais, ça va, c'est juste en fait, tu me fais trop d'effet. Oh, je l'ai pas vu. Oh, t'es encore tombé sous mon charme? Non, même pas, là, je suis tombé sous ton odeur. Quoi? Ça veut dire que tu pues ça. Alors là, tu peux rêver pour le canne. Alors là. Du coup, moi qui voulais me faire le même tatouage que toi, bah c'est. Non. Juanito, il a dit n'importe quoi. Ah, vous avez la même idée que nous. Je ne laisse même pas finir ma phrase. Non. C'est parce que tu sens la rose. Blablabla. Est-ce qu'il y a des tatouages pour hommes et femmes les mêmes? Oui. Ah ouais, nous on a le même, nous. Mais un petit truc, tu vois. Oui, il y en a. Bah, tu l'en mets un merdique. Ta gueule, Renito. Est-ce que je peux les voir? Oui, je les vois avec mon collègue. Petit collègue. Ouais, c'est lequel, le petit collègue? Alex. Pour pas beau. Et un petit Kinder surprise. Alex, le petit collègue violet. Oula, oui, je suis en violet, mais. Ouais, Alex. Mmh. Oh, il fait chaud ici. Hein. Ouais. Il arrive à poil. Bah quoi, qu'est-ce que t'arrives? T'as pas trop froid. Ethan. C'est stylé, non? Ouais. Bon. Je voudrais voir pour un tatouage. Mais il est parti, Owen. On va aller voir près de la table. Oui. Mais Owen, viens m'aider à choisir. Parce que je peux pas choisir toute seule, c'est pour nous deux. Nous deux. Je me déshabille. Ouais. Je l'ai en tête. Putain. Dommage, Ok. Du coup, à quel niveau, je suppose, au niveau des bras peut-être? Yes. J'ai bien vu. Ok, on va regarder ça. Je commence par qui? Moi. Ok, du coup je laisse regarder monsieur, tac. Alors je vais juste mettre mes gants, même si pour l'instant c'est que les calques. Ok, super, nickel. Bras gauche, bras droit, une préférence? Bah du coup plutôt bras droit, parce que le bras gauche de Wen est déjà bien rempli, hein. Ok. Alors, je vais vous tourner légèrement pour que je sois face à votre bras droit, s'il vous plaît. Nickel, merci. Ok, bon, après, ça va, on n'a pas non plus un gros... Ouais, mais vous êtes déjà bien tatoué, vous aussi, sur le bras droit, c'est compliqué. Non, vous inquiétez pas, ça va le faire. Du coup, bon, ça va, on a un petit catalogue sur le bras droit. On n'est qu'à 76 tatouages. Alors surtout, si vous voyez quelque chose, c'était pas à... Tu dis Owen, ouais, c'est un truc qui est trop beau. Ouais, ouais. En fait, surtout, faut savoir lequel exact... Là, tout ce que vous montrez, je peux les faire aussi? Attendez, je vais regarder sur vous. Si vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît, je vais regarder. Pardon, Isa. Ouais, attends, je m'avance un petit peu. Alors le bras droit. Faut que tu te mettes du profil. Ouais. Ah, c'est nickel là.
Du coup, ouais, vous avez quelque chose de... On a à peu près autant. Je pense qu'on est quand même sur une gamme assez similaire. Je pense qu'en fait, c'est surtout au niveau des petits où on aura des similitudes. Bah, de toute façon, je pensais plus grands, partir sur un truc plus petit, quoi. Ouais. Là, il y en a sur la main, mais c'est un étalon mécanique. Là, l'oiseau du malheur, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est dispo aussi chez vous. Oui, je l'ai vu. Pas sûr du tout. J'aime pas trop. Lequel ? Ah, il n'y a pas de point de vue par là. Celui-là, il y est. Il n'y a pas de point de vue. Ah, celui-là, il est où ? Il est sur l'intérieur, ouais. Ah. Allez, on y va. C'est le même que j'ai. Ouais, il y a ton mec à l'intérieur. Ah, celui-là ? Ouais, je suis là. Après, si vous le souhaitez. Oh non. Ouais, vous mais en voulez un tout rigole, nouveau. T'inquiète, je la connais. Elle sait que je rigole, je la connais, t'inquiète, c'est bon, tranquille. Bon, allez, moi je retourne travailler. Ah merde. Du coup, tu voulais me dire quoi Je sais qu'il va être difficile, Owen. Tu voulais me dire quoi, du coup, Elisa? Oh, rien, j'ai oublié. Ok. C'était il y a longtemps. Ouais. Là, il y en a un, je sais pas si vous aimez, c'est l'œil de la pyramide, mais c'est derrière, à l'arrière du bras. Ouais, mais moi, j'ai déjà quelque chose à cet endroit-là. Ah oui, merde. Ouais, vous avez déjà le grand atout. Ouais. Mais c'est dommage, je l'adore, il est beau. Tout comme toi. Merci. Bon, allez, moi, éventuellement, j'y pense, après, c'est comme vous le voulez, mais je sais qu'on peut en avoir des petits... au niveau des côtes. Ah ouais, ça peut être trop stylé. Ah ouais. C'est vraiment... Mais il y a pas beaucoup de choix, par exemple, je sais. Mais moi j'en ai un peu. Attendez, je mets un petit haut de maillot dedans. Il me semble qu'il y a une plume à un moment. Il me semble qu'elle était vraiment sympa. Ah ouais, petite plume. Bah je vais essayer de regarder. On va regarder ça ensemble. Mais c'est pour ça. Je pense que ça sera. C'est celle qui va écrire notre histoire. Mais tellement. Oh c'est tellement romantique. Et ouais, c'est parce que je suis romantique moi. Moi j'en ai un déjà sur Ouais mais il est en bas du ventre, alors là c'est vraiment sur le flanc gauche. Ah non, tu fais pas le même, hein. Du coup on va regarder. Comment ça pas le même? Nous on a fait un cœur avec non, on va faire une plume, nous, je crois. De quoi? Nous on a un cœur cousu sur le... Tu le vois, cœur cousu là, enfin, côté au niveau de mon bras gauche. Qui avait fait un cœur? En bas, il est tout fin. T'as pas de tatouage? Je vois pas. Moi non plus. À l'intérieur de ta main? Non, pas dans ma main, j'ai dit au niveau de mon bassin. Ouais, côté gauche. Elisa, t'es bien placé pour le voir. Bah, je te dis, y'a rien du tout. Faut que tu fasses une sieste. Hein. Ouais, moi, il est tout fin. Faut le voir vraiment. Ah, ouais, si. C'est moi, tu le vois? Pourquoi tu mens? Vous le voyez? Ah, non, en fait. Mais non, on voit rien du tout là. Mais c'est peut-être à sa gauche. Ouais, c'est ma gauche, moi. Voilà, donc c'est de ce côté. C'est t'es pas du bon côté, ouais. Mais gars, l'anguette en arrière, mais j'y vois pas, si on m'y voit pas. Parle fort. Comment? Frère, je te dis, il est là. Je vois pas, je te dis. Et toi, t'as aucun tatouage, toi, en fait. Hein. Même je toi. Je te vois par mail, si tu veux. Attends, même les tatouages, j'ai un blé, frère. Attendez, je vais remettre la cam, je vais juste faire un truc. Ça doit aller, après. Putain, il est trop loin mon sac. À moins qu'il t'a pas pris en compte, je sais pas. Tu le vois, toi? Par là qui? Par là moi? Moi? Ah, je t'ai pris une petite photo, là. Vas-y, rien de t'aimer. Vas-y, attends. Lucas, hein. Alors? Vas-y, rien. Bah non, je le vois par mail, mais pas sur toi.
Ça c'est... Oh. Non, je le vois pas. Ouh, là j'en ai un très léger. Ah, où ça c'est pas celui-là si... que t'as fait. C'est lui ? Ouais, ah, c'est le cousu là. Ah non, non, fais pas celui-là. Ouais, faites pas lui, vous. Bande de fou. Ouais, choisis, mets-lui ça, le pansement sur la tête. J'avais ta carte sur la tête. Ah ouais, le pansement sur la tête. Il est un peu atteint, hein. Moukat. Hein, Moukat. Je vais me tatouer la sainte Bible de Dieu, tu vas voir. Hé, hey, hey, il a refait tes contours, là, attends. Wesh. Bien, mais c'est parce que c'est les calques. Il refait ses contours. Vas-y, mets-lui ça, là. Et des contours bien dégueulasses. Un peu. Ouais, je l'ai laissé pousser un petit peu. Ouais, Lisa, t'as une gorge, ouais. Attends. Quoi? Je sais pas, il a une patate d'Adam. C'est plus une pomme d'Adam, c'est patate là, attends. Ah oh, putain. Je joue, frère, rien. Tu vois aussi Laurent? Je vois. Ah ouais? Attends. Elle a un double menton, putain. Double boss. Mais arrête-le. En plus, je suis en train de manger, dites n'importe quoi. Ça, c'est à cause de toi, Owen, là, c'est hein. À force d'abattre, hein, elle a tout. Oh! Mmh. Oui! Je suis mort, j'avais jamais vu. Non, mais ça avait du mal à rentrer un petit peu, ça a déformé. Oh, tu lui as cassé la bouche, frère. Oh, c'est bon là? Il est dans l'abus là. Bah alors, lui, la petite plume. Il aime beaucoup, hein, Mimao. Ouais, je suis en train de regarder dans le catalogue, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques soucis au niveau des. Oh, y en a, il va cramer sa roue. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis au niveau des calques là ce soir. C'est ce que bah, moi ce soir, mais... je peux même pas coiffer les gens, donc comme ça, non, c'est fait. Mais je pense qu'il y a des gros soucis. Moi et le boss, on a eu un gros mal de crâne. J'ai fait, il faut chier quelqu'un en repartant, vu que je suis tombé dans les pommes, quoi. Ah non, c'est vraiment, vraiment relou, quoi. C'est vraiment, vraiment quoi. Oh, il y avait un V2. Vas-y, faites ça en commun. T'as cru que je ouais, t'as cru que je m'appelle Johnny Hallyday pour me tatouer un moteur. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Bonne soirée. Salut Ryan. Bonne soirée. Puis, voilà. Bonne soirée Ryan. Non, par contre, évitez de m'appeler Ryan. Nous, appelez-moi à 08. Quand comment, je suis en service, 08. On est fait. Merci à vous. Je suis pas dans la police, je suis bodyguard. 08, mon cote. You Noopy. Alors, je sais pas si chez les femmes on peut faire ce même tatou là, mais il y a le tatou des parchemins qui est particulièrement sympa. Il y a plusieurs évolutions en fait. Il y a le parchemin vierge, ouais, le parchemin orné et le parchemin. Ah bah toi t'es plus vierge. Ah, moi, je suis quoi, Oh, Game of Thrones, parchemin, frère. Non, mais voilà, c'est qu'il y a une signification derrière, c'est pour ça. Je comprends le mec. Hein. Ah bah la soirée, du coup. Je crois qu'elle a fait hop. Attends, c'est pour mais oui, mais ouais, il a dit aux hommes qu'il peut pas venir. Ah, il a dit, j'ai. Attends, il va y en avoir si elle a un cri blessé comme ça. Bah, ça empêche pas certains de venir, je suis sûr. Bah. En vrai, s'il y a que des filles, en sachant qu'elles aiment pas beaucoup de filles en ville. Ouais, mais c'est pas si mal, une fois de temps en temps, je pense. Ouais, mais c'est pour avoir trois nanas, c'est pas très intéressant. Ah, il y a le Trinity éventuellement, et je pense que ça va déborder. Ça sur... va... Oh, ouais. Il est trop beau. Ouais, un autre tatouage. Ouais, je vous question. Je peux regarder sur vous, madame, si vous préférez, pour check si ça passe ou pas. Hein. Mmh ouais. À vue d'œil, je crois pas, mais bon. Ouais, moi je dirais aussi que ça passe pas, mais on peut quand même regarder, c'est pas. Bah, mettez-le de côté, comme ça on finit sur moi et. Yes. C'est pratique d'avoir les deux en même temps quand même. Ah, oui, c'est sûr. Mmh. Ah ouais, il passe pas du tout. Ouais. Ouais. Ouais, non, dommage. Ah ouais, oh bordel. Ah ouais, il est pas du tout au même endroit. Chez, je pensais chez... qu'il était quand même un peu décalé, mais pas du non, tout. Non, mais c'est pas. C'est parce qu'il est pas placé de la même et façon. Et vous pouvez pas déplacer le cal, je crois pas. Hein. Non, malheureusement, on peut pas. On peut pas encore. C'est cool ça, par contre. Ouais, non, là, les calques, on est obligé de les appliquer là où ils ont été prévus initialement, quoi. C'est vraiment la merde là, et c'est pareil, je vais regarder sur vous à nouveau, mais c'est vraiment la merde là pour les
parce que j'ai l'impression qu'il y a un Culture 2 qui est transparent et du coup c'est ouais, vraiment c'est ça, chiant. C'est ce que je me dis. Ouais, non, mais c'est. Ouais, y a pas que moi. Hein. Ouais, c'est vraiment chiant. Ouais, bah ouais, mais je pense que c'est pas que moi. Hein. Attends, bouge pas. Parce que là, en fait, je suis en train de chercher la fameuse plume, tu vois, sur les flancs, ouais. Si possible. Mais bah, du coup, j'ai passé tout en revue et je l'ai pas, alors, l'ai pas croisé, quoi. Sur monsieur, il y sera pas. Ouais, get ta marraine. Ah, il y est pas. Tu... Non, non. Certain ? Ouais, ah, sûr et certain. En soi, on a un plus gros catalogue. Tu vois ma cobble dans la bouche encore ? Mmh. Ah d'accord, bah c'est bizarre parce que je me rappelle pas avoir tatoué une dame et pourtant je me rappelle avoir vu ce tatouage. Mais un petit club dans la bouche, frère. Ah, j'ai tatoué une dame. Comment ça, t'es sur une dame, frère? Non, j'ai tatoué une dame. Bien sûr. Ah. Ouais, John. Sortir de la zone, s'il te plaît. Ah bon? Ouais, juste de la zone. Vas-y. Je juste de mettre derrière les barrières, ça a eu trop de monde autour. Vas-y, vas-y. Ça me prive de voir. À mon cas. Sinon, on peut se tatouer les jambes. François, ouais. Non, j'ai une jambe tatouée, ça suffit. Parce qu'en fait, le souci, c'est que sur les bras, en fait, tu vois, monsieur est très tatoué à gauche et madame est déjà bien tatouée sur l'avant-bras à droite. On n'a pas tout regardé sur le bras. Ouais, mais le souci, c'est que c'est vraiment limité, c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais proposé le torse, en fait, je pensais à un petit truc sur le flanc, tu vois, je me disais que ça pourrait faire l'affaire. Mais là, on a tout vu ce qu'il y avait sur le torse. En soi, si on a passé les 200 références. Non, c'est la mienne. Bah, c'est la tige de voir triangle. T'es pas parti dormir? La Trinité? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bah, ça, regarde. J'attends les gens. Mais... T'es le chef de la Gay Pride avec tes lunettes là. C'est bien. Je te fasse descendre de ta moto. Mais le souci, c'est que ça déborde sur le tatouage de madame. Comment? Ça déborde sur le tatouage déjà en place chez madame. Il est trop stylé ce tatouage en plus. Du coup, c'est pas possible. Je le frappe aussi. Faut pas t'effacer le tatouage que t'as là. Je rigole, tu sais très bien. C'est baraque là-bas. En soi, si on l'efface, il faut passer au salon. Ah ouais, attends. Ouais, vas-y. Et dans le dos, vous êtes déjà tous les deux bien tatoués? Non, moi dans le dos, j'ai rien. Ah, même moi, mon dos il est blindé. Ah ouais, c'est vraiment short. En fait, c'est le bras qu'il faut voir. Je vais regarder. Ouais, tu devrais te le faire ce tatouage, il est beau. Ouais, je vais le faire. Grave. Vous le voulez qu'on le fasse là maintenant ou vous repasserez une fois au salon? Ouais, je repasserai. D'accord. Et du coup, je vais regarder. Hop, pour le bras. Je vais chercher quelque chose quand même en haut, bah, si possible. Il faut que je me le cale. Le pansement. Ta gueule. Après, si c'est pas à l'identique, à la limite, vous pouvez avoir quelque chose qui a un lien. Rapport, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, moi, je sais que j'ai déjà fait ça. Et du coup, bah c'est. Oui, bah oui, je suis bête. J'allais dire, mais j'ai tatoué une dame. C'était une dame qui était enceinte. Elle est passée avec son mari. Et ouais, du coup. Elle est au moins hexagone avec elle. Et du coup, je lui avais fait je lui avais fait un. Comment ça s'appelle? J'avais fait un tatouage sur un bras pour elle. C'était une sirène, par exemple, qui jouait de la harpe. Et sur l'autre bras, j'avais mis une sirène squelettique, en fait, en rapport avec le passé de son mari. Du coup, voilà, vous voyez, il y a des petits liens parfois, ouais. Etc. Après, ça, on comprend pas trop. Moi, j'ai pas c'est personnel, quoi. Mais au pire, vous faites le parchemin sur Owen, donc sur le monsieur, et vous faites la plume. Ah, on va regarder chez madame, ouais, pour la. Putain, ça, c'est mais pas. C'est un génie, oh là là. Mais oui, c'est un génie. Tu serais pas mon frère, toi? Merci, si, Andrew, tu es incroyable. Ouais. Et tous mon parfum. C'est vrai que c'est. La petite plume, du coup. Ah, il est vraiment sympa le petit tatouage sur le bras gauche. Il est léger, mais il est vraiment clean. Le mien, là? Ouais. C'était Kevin, le meilleur tatoueur de la ville, qui me l'a fait. Hi. Ah, il prenait 900€ le tatouage. Ah oui, quand même. N'importe quoi. Je te jure, il m'a fait payer 900€ avec Juanito. Quoi? Non, quoi? Juanito, Mathias. Ah ouais? T'es pas sérieux. T'étais là en plus quand il m'a tatoué dans ta chambre. Mais oui, mais pour moi, vous avez pas fait payer. Peut-être qu'il y en a qui... Euros. Peut-être qu'il y en a qui ont faim et on parle pas forcément de McDo, hein. Oh, Kong, si tu sais. voilà.
Oh, il y a l'hirondelle qui vient se poser là. Ouais, il m'a peut-être c'est fait énorme. Payer 200 balles pour tous les totoches que vous voyez sur moi. Ah ouais. Il m'a fait payer 900 euros le bras. Non, vous en faites pas avec moi, c'est le même tarif pour tout le monde. Il y a pas. Bon, juste ce soir, il y a une réduc. Il y a John qui a décidé qu'il y avait une réduc pour les dames ce soir. C'est parfait. Mais mais du coup. C'est faux, il a une grosse bite. Et puis. Je les ai tués là. Je vais me déguiser là. Passe ta perruque, s'il te plaît. Moi ? Ouais, s'il te plaît, Elisa. Perruque, mais je peux pas te mettre de perruque là, je peux pas. Ah mince, dommage. Ah, mais. Mais genre, on aurait pu te déguiser, te mettre du maquillage et tout après. Hey, salut à tous tes amis. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas. Elle est pas top, c'est vous, hein, je connais mieux, hein, comme par exemple. Oh, Elisa, t'es lollipop. Tu fais ça bien. Je vais pas vous mentir, ma copine aime pas forcément quand je prends cette voix que je fais. Can I get Milky? Wow. Ouais, j'imagine, ça fait bizarre. C'est. Je dirais que tu sors tout droit d'un manga porno. Ah, mais c'est quoi la seule? Ouais, voilà. Je suis pas très en forme, il est un peu. Il est un peu bancal. Ça va, franchement, ça va. Mais ouais. Peut-être que dans une autre vie, j'ai doublé. J'ai doublé du porno. Qui sait. Je sais bien imiter les femmes, mais bon, c'est pas vraiment le lieu. Adéquat. Ouais, mon cote. Si elle bosse à côté. Oh, arrêtez de me pousser. Mais toi, là. Cet homme-là, dans une autre vie, il aurait tellement pu faire doublure de hentai. Allô, pardon. Isaac Milky. Wesh. Skill boys. Elisa. C'est à toi. Ça va ou quoi? Ça va. C'est qui me parle? Je vois pas. Ça va ou quoi? Ça va tranquille. Oh, Steven. Ah, salut Louis. Ouais. Ta gorge. Bah ouais, tranquille. Ça va, Elisa. Ça va et toi? Ça va tranquille. Par contre, doucement, on est en train de regarder les tatouages. Mais attends, excusez-moi, mais c'est moi qui change là ou je vois un dos qui se transforme tout seul? Ah non, t'inquiète. Mais il est en train de me montrer les calques. On est en train de regarder les. Oh, Steven. Ah ouais, sans désinfectant, rien. Je peux rien faire, frérot. Mais sans désinfectant de quoi? Voilà là. Non, mais là, on regarde les calques. Et on les regarde, il est pas en train de me tatouer. Rien ici, rien de la gorge, d'Elisa, rien de la gorge. Attends, fais voir. Ah ouais, attends, décale-toi. Mais ouais, mais fais quelque chose, défends-moi. On a double menton. Mais non, mais c'est même pas double menton, elle a une glotte. Mais n'importe quoi. Ah, c'est bien, regarde bien, c'est une pomme d'Ador. C'est une patate. Mais arrêtez. C'est une patate. Je reviens pour regarder. Eh les gars, vous vous rendez compte qu'on peut plus voir? Vous êtes tous là en train de me coller là. Puis toi, Owen, tu dis rien, je suis à moitié nu. En plus, ça représente grave. Oh, je suis choqué. Prends une photo. Prends une photo. Vas-y. Prends une photo. On va mettre ça à TF1. Wesh. Bon, elle est où la plume alors? Wesh. Mais frérot. Je pense qu'on va en approcher, mais en fait, il y a un petit souci. Les calques, ils sont un peu longs à se mettre devant. T'es fou quoi, toi? Et du coup, ouais, des fois, ils sont un peu longs. Attends, tourne la tête. Attends. Hop, vas-y, reviens. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Je savais que t'étais chelou, on prend des preuves. Prends des preuves, ma gueule. On sait que t'es un homme. C'est quoi, tu lui as mis un bouillon dans la bourge ou c'est quoi ça? Les gars, j'étais en train de lui faire son boulot. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, arrêtez de la pousser s'il vous plaît là, vraiment, j'aimerais bien faire mon boulot tranquille. Eh ouais, en pleine. Les gars, je vous jure, elle a commencé à tout gober, les 24 cm sont rentrés jusqu'au fond. C'est pour ça qu'elle est glotte. Allez, vas-y, frappe-le. Allez, combat. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, ouais? Il est tombé. Il est trop lourd. 24 cm. Et encore, je bandais pas. Il y a que 4 cm. Tu fais que tous mes tatouages à fait disparaître. Non, c'est les calques qui ont un peu de soucis. Eh, mais c'est normal qu'on tatoue comme ça dans la rue? Mais putain, mais tu me casses les pieds, toi. On a le stand et tout, là, on est en train de regarder les calques. Mais il a rien compris, lui. Ah, vous êtes en train de. Ça fait 3 fois qu'on te le dit. Je suis omnibulé par la pomme d'Adam, en fait, excusez-moi. Ouais, on dirait que t'es en train de regarder minibar là, je te signale. Je sais ce qu'il vous faudrait. Non, il vous faudrait un bon verre de lait. Quoi? Un bon verre de lait. Alors je vous conseille d'aller du coup à l'épicerie du coin et faites. Oh, can I get Milky? Est-ce que vous avez du lait? Je vous jure, les gars, ceinture. Ah ouais, grave. Ouais.
Lui, il va être représentant à mes soirées. Et lui, du coup, il a pas de glotte. C'est l'inverse. Non, 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 mais oh, respectez-moi, là. Je sais que je suis un peu skinny, mais bon, les Kinder Surprise, ça existe, hein. C'est vrai. Surtout les skinny, hein. On sait très bien ce qu'il y a en bas. Les Kinder Surprise, voilà, c'est... Aïe, aïe, aïe. Ah, tu veux voir un Kinder Surprise? Je m'en passerai. Comment ça? Je m'attendais à tout ça. Ça. Elisa, t'as refait mon dégradé. Là, oui, c'est vrai. Je sais pas, c'est un non? Dégradé à l'éolienne. Là, c'est plus possible. Le putain, dégradé c'est incroyable à l'éolienne. Putain, oh bordel. C'est juste que les poils de la couille ont poussé, c'est tout. Oh bordel. Ah bon? Oh non. Ils font quoi là-haut? Où ça, derrière sur le toit? Ouais. Oh, je sais pas. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Y'a pas de poils. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais t'as dit les poils de la couille allaient en pousser. Non, y'en a pas. Quoi? Putain, tu viens de regarder. Oui. Quoi? Il a regardé. Putain. J'espère que vous avez pas touché, hein, sinon le billet que vous avez passé là. Non, j'ai rien touché. Regardez, j'ai les mains sont là. Je suis vraiment confiance, monsieur. Vas-y, fais une fille innocente. Je sais pas, j'irai plus tard. Hein? Ça sera du bouche à oreille. Oh, mon petit 08 préféré. Ah, oh, ben, je sais. Vas-y. Ok, vas-y, passe une bonne soirée. Ah, je pense qu'on doit plus être loin dans les références catalogues. Regardez, la glotte. Ah non, ça y est, maintenant, Ryan, c'est ça. Bon. J'ai quitté leur vieille société. Il est au téléphone. Non, non. Comment okay. Vous allez, sinon? Ça va, tranquille. Bon, ça va. Oh, le voile en bleu de travail, c'est la première fois de ma vie que je te vois en service. Oui. Ta gueule, là. Oh, ah ouais? Mais tu danses plus, là? Bah non, y'a rien à R. Y'a rien à R, rien à faire. Bah ouais, mais y'a personne aussi. Pars sur moi, y'a R. Mais après, je suis quand même déplacé, donc il me doit quand même mes 1500€. Hein. Quoi, 1500? Tcha, on catch la baby, tu l'aides ça. Ah ouais, c'est... Ça va, Trent? Ouais, ouais, c'est... Putain, mais la police, on dirait qu'ils vont braquer une banque. On ferait un joli duo, hein. Non. Allez, les poulets, tout veiller. Allez, venez. Allez, on va te veiller, du coup. Oh mon dieu... Ethan, l'enquête dans ma reine. Je sais pas quoi faire. Je crois qu'il m'a pas entendu. Bonne nuit, Johnny. Merci d'être venu. Non, là, non, les calques, ils ont vraiment du mal, ouais, c'est vraiment chiant. Ah ouais, là, désolé, ce soir, là... c'est compliqué. Hein. Ouais, non, non, mais ouais, là, ça m'embête vraiment, quoi. Parce que du coup, je peux pas dire de feuilleter rapidement, quoi, et du quoi coup, putain. Il a parlé dans le... Ça l'enquête à où? Mais il faut Raoudon. Il y en a un qui a crié, là, dans le... Ouais, c'est Ethan. Il est toujours très discret, lui. Hein. Incroyable. Râle comique. Ouais. Il a toujours pas compris que Mifurao ça veut rien dire. Milf? Non, non. Alors lui. Petit coquin. Calmez-vous là. Eh oui, mamie. C'est des compétences qu'on ne peut malheureusement pas Johnny, valoriser sur le CV. Ah merde. Ah oui, c'est vrai. Ah bah. Attends. Peut-être dans le doublage, hein. Il y a de quoi faire quelque chose. Hein. Ah ouais, clairement. Si tu vas faire des doublages. Peut-être que je vais faire un petit tour de côté de GTF1. Hein. Mais bien sûr. Et là, tu fais la voix off et tout. Pour faire des SFX et tout. Excusez-moi, j'étais sur mon téléphone. Ça va, ouais. Il y a pas moyen de faire des petites missions ponctuelles chez eux. Ouais, en fait, ça pourrait vous faire de l'argent. Ouais, mais je suis bien chez Tatoueur, je sais pas si je peux cumuler, hein. Et clairement, j'ai pas envie de partir, hein, c'est vraiment cool. Non, mais vous faites juste. À demain, ouais, voilà, Johnny. Ou une petite émission, ouais. Ou tout, ouais, je voilà. Sais pas. Y a peut-être moyen d'avoir un petit contrat. Vous êtes payé, un CDD. Pas à plein temps, quoi. Ah oui, non, clairement pas. Là, je fais mes tatous à plein temps. Ouais, voilà. Ça paye bien. Ah non, par contre, là, putain. Putain, 900€ il m'avait payé. Et Lisa, faudra que je repasse pour que non, mais chez nous, là, c'est plus 900. Bah, hein. Pour le moment, je peux pas, j'ai les ciseaux, ils sont cassés. Oui, bah là, je sais très bien. Hein. Mais t'inquiète, ouais.
Il s'appelle Loupi. Bah j'espère que tu m'appelleras pas dans cette tenue. Que tu quoi, tu me feras pas venir dans cette tenue là, mais bon. J'espère, juste j'espère. Oh, il est où? Ce soir j'ai bien eu de me faire une soirée là. Il est pas là alors. On a fait le tour ou pas? Il est où? Là, il nous reste une cinquantaine de références, mais ouais. En fait, je suis sûr que je suis sûr qu'il y est dans le catalogue, mais juste en fait, on est tellement dans la merde avec le d'encre là. Salut. Bonsoir. Ouais, ça va Manae? Ouais, ça va et vous? C'est une soirée. Mais tu picoles? Non, on est en train de regarder pour des calques, pour des tatouages. Mais oui, on va faire avec Owen des tatouages qu'on a rapport, mais. On va mettre sur la table en fait. Il a des soucis. Hein? Pour tatouer, pour tatouer. Oui, pour tatouer, vous allez la mettre sur la table. Eh ben, nous allons tous nous endormir, je crois. Bloqué. Mais ouais. Bonne nuit tout le monde, hein! Bah voilà, ça recommence. Pourquoi? Oh non, putain, ça recommence! Tout le monde est dégueulasse! C'est la merde. Voilà. Comment vous dire qu'il y en a marre quoi? C'est chiant! On est d'accord, c'est relou là. Non, bah par contre, si ça commence à cracher en chaîne, moi je vais me coucher. Ils sont tous en train de s'exciter sur le chat là. Ouais, on va se mettre un peu de musique là. This one is right on your alley. I took her to belly. I like how she looking in that. I'm in the sun, I'm Cali. I step to the valley. Don't make sure I'm moving in that. You were just hoping she met you. I'm hoping she slept you so she can go get some of that. Push 911 with 4G autos. Oh, let her go put some my fanny in that. Yo, this one is right on your alley. I took her to belly. I like how she looking in that. I'm in the sun, I'm Cali. I step to the valley. Don't make sure I'm moving in that. Hello, shawty, keep begging. Send it tall like the number 11. I might fuck her right back in the heaven. She got charged with that pussy or whatever. Yeah. Oh, hello, shawty, I heard that you ready. Yeah. This is your alley. I took her to belly. I like how she looking in that.
So now I'm Cali, I step to the valley, don't make sure I'm moving like that. You hoping she meet you, I'm hoping she sleepy so she can go get some of that. Punch 911 with 4G autos, I would load up a family in that. This ain't your alley, I took her to belly, I like how she looking in that. So now I'm Cali, I step to the valley, don't make sure I'm moving like that. Tata, je m'occupe comme je peux, hein. J'aimerais bien pouvoir jouer tranquillement sans que ça crache les deux secondes. Ça serait bien. C'est Keblo là, on est d'accord. Je relance, hein. Yes. I know my way to the paper. All of my women look Tyler. It costs a few thousand as Tyler. Can't drop a dime to save a walk. With the bosses, all of our pockets look gorgeous. Aye. You see the boys of the form decide. Constantly plotting, we want this. Aye. I need my bag and clips extended. Aye. Blast you haters to fragments. Aye. Got no time for the cameras. Cause I might just pull the extension. Elle sent trop bon cette crème. Je sais pas si vous connaissez, mais ça sent trop bon. C'est de la bombe. Oh, j'adore. Je me shoot à cette crème, je vous jure. Je m'en mettrai partout. Ils sont trop bons. C'est la marque Jet Set, mais c'est une marque de produits pour les ongles en fait, parce que c'est ma, c'est la nana qui me fait les ongles en fait, qui tu vois, regarde les ongles, c'est la nana qui me fait les ongles qui me l'a vendu, je suis acheté elle, voilà, elle me fait des ongles, c'est un truc de fou, elle est trop douée. Oh non, qu'est-ce qui t'arrive? Putain, ouais, non, j'avais pas mes lunettes de soleil là, tu m'as ébloui d'un coup, putain. Ah mince. Bon, je vais au PDM. Hein? Au motorsport. Pourquoi? Mais pourquoi tu vas aller là? Je vais acheter une nouvelle voiture. Ouais, mais attends, parce que là, tout le monde vient de se. Mais il est con. Merci, merci, déjà. Mais du coup, on va où là? Je sais pas, il est allé au. Mais mon tatouage. Concessionnaire. À mon avis, il pourra pas te faire. Tu crois? Il n'y a plus la communauté. Oh putain, il faut aller au salon. Bah ouais, de toute façon, ouais. Bah ouais. Mais je me dis, ça se trouve, je peux peut-être refaire les coiffures. Hein. Ouais, tu peux t'en faire de coiffure? Quoi? Vous pouvez pas faire, vous pouvez pas coiffer? Je peux pas, non. C'est chelou ça. Depuis cet après-midi, je peux pas. Ah, mais bienvenue au club, moi j'ai eu des soucis aussi. Bon, mais. Je remets mon. Elsa! Elsa! Wesh! Oui? Ouais, bah, ouais, ouais, ouais! Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben. Ah, wesh, pas de question, hein, ça part un peu en couille ce soir. Money, money. Mais non, mais c'est mon pote Louis. Money. Oh, vas-y. Je te présente, Léonus. C'est trop chiant. Eh ben, enchanté. Salut, Léonus. Ouais, on s'endort encore. Hein. Oh, on est gavé, on en a marre. Voodoo, but who knew? My pistol cock and loaded, got a Glock at 22. I didn't move the ATM.
Ça me patine. I probably won't ever get no peace till the day I rest. My cousin died before 21, R.I.P. the stress. For him, I go hard in the studio, I ain't getting rest. Ouais, par contre, c'est une dernière fois. Si ça recrache, j'arrête. Je vais pas passer ma soirée à faire ça. Mais Johnny, t'étais pas censé aller te coucher, toi? Résiste, lui. Ah, oh, vivement mes nouvelles lunettes, là. J'en peux plus, je vois plus rien. Je ressemble à une mamie, en plus, avec ce truc. En plus, avec mon plaid. Ah, il me manque plus que le chat et mon café. Enfin, mon chocolat chaud. Là, je bois pas de café, j'aime pas. C'est pas bon pour la santé. Eh, je suis une fille bien, hein. Je bois pas d'alcool, je bois pas de café, je fume plus, je prends pas de substances illicites. Ouais, je suis une fille bien. Bon, par contre, je mange énormément de chocolat. Hein. Je trouve que ça. Verriez mon bureau, là, il y a des paquets de gâteaux partout. J'abuse, hein. Sauf en vrai, l'alcool, il n'y a rien de pire. Ça fait grossir, déjà. Et puis, ça rend con. Et puis, c'est pas bon pour la peau. Et puis, ça fait vieillir. En vrai, pour rester jeune, faut prendre soin de soi. Et oui. Pas boire d'alcool. Non, mais je dis pas qu'il faut pas boire, mais. Voilà. Doucement, quoi. Mais à Bretonne, ça mange des crêpes. Ça ne boit pas d'alcool, ça mange des crêpes. À la bière. Ok. C'est ça, c'est de la bière qu'on mettait dans vos crêpes. Non, du rhum. C'est du rhum qu'on met dans les crêpes, je crois. C'est de quelle origine, les crêpes? Ça vient de quel pays? C'est français, non? Je crois pas, hein. Quelqu'un se renseigne, j'ai envie de savoir. Roumanie? Vraiment? Ça vient de la Roumanie? Crêpes, c'est roumain? T'es fou, ça. Il y a Russie, on me dit ici. Ah bah c'est pas pareil, Russie, Roumanie. Bientôt vous allez me dire Chine. Japon. Texas. Non mais pêche, le gars qui a inventé ça. Met de la pâte comme ça, fine et tout. Mais c'est un truc de fou, hein. Tellement bon les crêpes. Ah, ça crache avant que je me change en vrai. Bon, c'est les Roumains ou c'est les Russes alors? C'est Alexa, elle m'a dit ça. Les meilleurs, c'est les crêpes bretonnes. Oh, comment ça s'appelle? Des crêpes au sarrasin. Il n'y a personne.
Y'a personne pour faire du RP avec moi. Viens, on fouille une poubelle en attendant. T'as des crêpes à la farine de froment et celle au blé noir. Bah, le blé noir, c'est du sarrasin, ça s'appelle. Farine de froment, jamais goûté. Rien trouvé. Regardez l'autre. La 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 la. Merde, il y a quelqu'un. Il y a le tatoueur. Il va me montrer de mes poubelles, il va me dire que c'est fait. Personne sur co, ils sont tous gavés. Lui. Beaucoup de monde qui sont parvenus, je crois. Ben, j'ai l'impression qu'il y en a, ils veulent pas revenir. Ah, si. Ah non, mais à mon avis, ils sont arrivés. Ils sont au parking central, tu peux être sûr, là, on m'appelle. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, dites-moi, vous êtes où, monsieur ? C'est le plombier, c'est pour la fuite. Ah, la turlute ? La fuite, oui, bien sûr. Oui, la fuite vaginale. Ah, c'est là ! Incroyable. Ah oui, c'est rapide. Ouais. Écoutez, je récupère mon RS3 de maintenance et dès que je l'ai, j'arrive. Très bien, je vous attends, monsieur le plombier. Ça marche. À tout de suite. Allez, bisous. Tellement de bonne humeur ici que j'arrive même pas à dormir. Ouais, ils sont tous atterris à des endroits. Ah non mais ouais, c'est là, c'est la giga sauce là. In the sauce hein. Je sais ce qu'il nous faudrait à tous pour en remettre de tout ça. Un bon Louis grand verre de lait. Vas-y. Eh hey, Manet, tu me disais quoi, bon verre de lait. Tu m'as appelé, j'ai regardé, j'ai pas d'appel. Non mais tu me boycottes. Du coup monsieur, ça, vous savez si on pourra revenir bientôt? Tu m'as pas répondu. Non mais de quoi appelé, tu m'as pas répondu. Est-ce que vous savez si monsieur va revenir bientôt ou pas? Oui oui, il va venir réparer ma fille. Enfin, il va arriver. Oula, d'accord. Mais on peut regarder pour le tatouage encore hein, si jamais. Yes. J'espère qu'on aura moins de soucis. Ouais, mais il faut que vous repassiez au salon de tatouage, j'imagine. Oh bordel. Oh, en plus, ouais. Non mais au pire, on va aller directement au salon de tatouage, ça sert à rien de rester là de toute façon. Il y a plus le camtar. Oh là là, quelle merde. Non mais Owen va arriver avec la voiture. Ah non, j'ai encore 56 minutes. Oh, quel bordel, sérieusement. Bah ouais, c'est le cirque là. En plus, là, on a fait des rénovations. Il y a le nouvel intérieur du salon. Il déchire vraiment. Ah bah, je vais voir ça alors. Il est beaucoup plus spacieux et tout. Non, c'est. Là, moi, j'adore. Là, je t'appelle là. Ouais. Me réponds pas, tu veux user mon crédit. Bah ouais. Ouais. Tu m'avais pas appelé. Si, je te jure. Après, tu me dis. Non, je te jure, je t'avais appelé. Oui, si tu réponds pas. Mais oui, mais je t'avais appelé. Depuis quand t'es parti de chez... C'est que j'ai fait... Bonsoir. Bonsoir papy. Bonsoir papy. Comment ça va? Ça va. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Oui. Papy, je suis sûr que c'est un PDG. Ah, parce que j'ai la tête d'un PDG, moi. Ah, non, ouais. Le costume. Ça me fait plaisir. Ah ouais, le costume, la tête, c'est dans ça. C'est vrai. Ah, j'en ai d'autres, hein, si vous voulez. Du genre ? Non, des costumes. J'ai d'autres costumes, quoi. 14 ans. Ah, vous alliez toujours en costume ? Ah, oui, très régulièrement. Non, ouais. La dernière à la maison. Fois, t'as pas vu, c'était Papy Ganks. Oui, à la maison, c'est vrai, je suis en survêtement, oui. Bon, dites-moi, là, c'est ici la soirée. Ouais, hein. Tu fais quoi ? Ouais, oui, c'est ça. Je suis au motorsport. Je crois que c'est une soirée. Mais je t'attends, moi.
Mais je crois qu'il y a personne là. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais j'attends mon RS3. Non, tu vas l'avoir maintenant? Bah faut peut-être que je passe la commande, genre ce serait bien. Ah. Ouais, parce que moi je voulais aller me faire tatouer, mais... J'ai pas de voiture. Ben j'ai pas de voiture en fait là. Et moi non plus, bah du coup ça veut dire que je vais aller à l'assurance, c'est ça? Bah... De toute façon, il y a ma voiture à l'assurance, faut que j'aille la chercher du coup. Non, ta voiture elle est chez WAM. Bah c'est... On est venu avec quelle voiture? Mais non. Non, la mienne. Non, la mienne, parce que je suis parti manger la tienne pour prendre la mienne vu que... En fait, ah mais j'ai pas vu que t'avais fait ça moi. Ah bah ouais, t'as pas vu que j'ai fait ça, mais parce que je suis l'homme parfait, mais du coup t'as vu, je te prends par surprise. Fais gaffe, t'as une corde de puissante, Vas-y, je suis en direction de l'assurance, là, dans une piste à noir volée. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ok. Ouais, bah là t'as vu, je vais prendre à droite, pour pas, on va passer devant la dire. Là, voilà. Là, on arrive à l'intersection, on va prendre à gauche. Ok. Ensuite, là, on arrive devant l'assurance, je vais prendre à droite. Mais attends, mais t'es en voiture? Ouais, je suis en voiture. Ah. Ah ouais, je suis multitâche, en fait. Attention, ne pas reculer, sinon ça va nickel. Donc là, tu vois, là, je me dirige sur les escaliers de l'assurance. Ouais. Là, je passe le seuil de port. Ouais. Là, je rentre dans le bureau et pas sous le bureau. Quoi? Tu là, passes... je sélectionne ma voiture. Ouais. Là, je... fait réclamer et je paye 100 balles. Quoi, ça coûte 100 balles, putain? Ouais, ça paye, ça coûte 100 balles. C'est cher. Ouais, c'est... Mais de toute façon, toi, t'as pas de prix, donc je m'en fous. Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec moi. Ouais, mais si j'étais toi, j'ai tout. J'ai tout gagné. Waouh. C'est beau, merde, ouais. Merde, c'est pas là. C'est... Putain, non. Il a pas pris la... C'est pas le bon véhicule. Oh putain, non. T'as pas pris le multiple là? T'as récupéré ta moto. Mais c'est pas grave. Ah bah non. Parce que le but c'est d'emmener le tatoueur jusqu'à son salon de tatouage pour qu'on se fasse tatouer. Oh. Eh, c'est quoi? Ah ouais. Je récupère aussi ma voiture, comme ça je dépose ma moto. Mais je l'ai bien pourtant, cette petite voiture. Ok, à toutes. Oh, comme on dit, hein, une de perdue, une de retrouvée. Hein. Ah ouais, qui en a perdu une? Ah, moi. Une voiture. Ah, je croyais que tu parlais d'une... J'ai perdu ma femme il y a 6 ans. Ah, oh, merde. Ah ouais, j'ai placé ça là comme ça. Ah bah oui, mais c'est triste, mais c'est vrai. Je suis sûr que vous auriez besoin d'un petit câlin. Bah avec plaisir. Désolé, mon copain, il va arriver avec votre voiture. Hein. Ah oui. Il est pas très commode, votre copain. Bah, si vous aurez qu'à lui demander un petit câlin. Il est bien gentil, en contrepartie, hein. Vous inquiétez pas, il est vraiment gentil. Ah bon, ça va. Mais bon, des fois, il réfléchit pas comme là, il a pris la voiture. Effectivement, ouais, il a pas réfléchi. Qui a pas réfléchi? Bah, Juanito. Ah, bah, comme d'hab. Moi, je l'ai vu partir torse nu dans la voiture, je me suis dit, ouais, il fait ce qu'il veut, il est dans sa voiture, mais en fait, c'est clairement la mienne. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais c'est... Mais dites-moi, vous n'êtes pas la coiffeuse, vous? Si. Mais oui, on s'était rencontrés ben, chez possible. Vous, non? Ah oui, c'est possible. Hein. Oh non, c'est reparti, les gars, on va se rendormir. Non. Oh, si. Je peux pas aller dans mes poches. Oh, Dieu Jésus. Ouais. Dieu Jésus, Joseph. Allez. On peut y aller, mais ça met du temps, quoi. Bonne nuit à tout le monde. Ouais, bah bonne nuit. Ouais, bonsoir, mais moi, cette fois, moi, je reviens pas, là, c'est bon. Je pense que je suis dépressif. Je vais me faire foutre. Ouais, c'est chiant. Oh, putain, c'est à la mode de faire le mort là. De chez nous, bah, on anticipe. Ah, si, attendez. Ça... Ah, c'est bon. Non. Ah, non, je vous dis, non, c'est mort là. On va se faire ça. Avant ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va arriver. Je me sens partir là. Je me sens tout léger. Oh non, papy, c'est pas le moment, il est encore trop tôt. Papy, t'es trop jeune. Ne pars pas. Non, mais non. Reviens-nous, papy. Ah, reviens-nous. Papy, pour ça, quelqu'un lui montre ses seins. Diana, montre-lui tes seins, ça va aller mieux. Avec les yep, là. Ouais, c'est un message thaïlandais. Vous avez un... pas, avec finition à la main. Ah. Oula, pardon. Hein? Oula, ça, faut lui demander ça. Moi, je suis prêt à mettre l'argent. Je vais vous sauver, monsieur papy. J'ai fait ça toute ma vie. Mais là, je suis debout. C'est hein. Bon, il est debout. Ah, bah, on voit pas. Ah, au revoir, Diana. Qui est le suivant?
c'est peut-être moi. On va voir. Allez, c'est comme la chaise musicale. Allez. Eh, le dernier qui reste, il gagne quoi? Moi, je lui donne 50. On met tous 50 sur la table au dernier qui reste. Ça oh ouais, on fait ça. Bah, c'est une expression. Ah, ah oui, d'accord. Ah, il y en a mais encore un qui est parti. Zach. Allez, hop, Zach, va te faire foutre. Ouais. Allez. Ah. Eh, je suis encore là, les gars, je suis encore là, je suis encore là. Oh, bordel. Je suis encore là. J'arrive pas à lever les mains, bon. Bah moi j'arrive. Oh, moi. Oh, 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 ça se resserre. Ça se resserre. Oh non, c'est pas moi. Oh, s'il vous plaît. Oh, c'est pas moi. Je sais pas qui c'est qui reste en dernier du coup. Ouais, à la fin il en restait qu'un. Mais c'est pas moi. J'étais presque. Ouais. Ouais, mais là... franchement, 22h30... Ah, il nous casse la tête. Et à minuit, en général, il n'y a plus de problème. Sauf que moi, à minuit, je déco, quoi. Enfin, voyez-vous, demain, je travaille encore. Et demain, je finis à 19h45. Je prends à 10h, je fais 10h, 19h45. Donc demain, je vais te claquer. Grosse journée. Ça va, j'aime bien mon boulot, mais bon. Je vous avoue, vivement le week-end, là. Et c'est bon, après, là, je suis tranquille. La semaine prochaine, c'est très, très calme pour moi. J'ai beaucoup moins d'heures. Donc, ça va être cool. Hein. On en a marre un peu là. On peut que faire ça, qu'on doit bosser dans un truc qu'on n'aime pas. Ouais, bah, tout à fait d'accord. Deoxys. J'ai pas compris Alexis. Allez, c'est la dernière. La prochaine, j'arrête. Je dis ça chaque fois. Non, vraiment, 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 j'arrête. Et je vous jure, j'hésite à me couper les cheveux. Ils me font chier. Je vais me faire une coupe au carré, je crois. Non, si je fais ça, je vais regretter. Putain, j'ai sauté avant. C'était pas moi la dernière.
Ah. Il restait Papy et lui, je crois, ou je sais plus qui c'est qui restait. Moi, je suis parti avant vous, hein, je crois. Ouais, j'ai vu. Alors, Papy, c'est qui a gagné? Je crois que c'est nous trois. Non, moi, je suis parti avant, moi. Ah bon? Je me suis vu partir aussi avant. Alors, je pense que c'était moi le dernier, mais bon, ne vous êtes pas obligé de me donner. C'est Papy qui a gagné 50 balles. Bah, si, hein, c'était ça. Attends, on attend de voir. C'était qui avec toi et. C'était qui dans nous trois? C'était. Donc, il y avait toi. Oui. Moi, et puis. Louis? Je me souviens plus. Non, mademoiselle non. aussi, je crois. Non, elle était déjà partie. Elle est partie. Alors, attends, c'était un mec. Il était là. Quand il va t'arriver, oui, c'est ça. Quand il va arriver, ça me dirait quelque chose. Bon, on va lui demander. Hein. Mais oui, mais moi, étonnamment, ça a duré bien longtemps. Au bout d'un moment, je vous entendais plus. Je parlais tout seul comme un con. C'est quoi ton prénom, du coup, en fait? Moi, c'est Claude, mais il faut m'appeler Papy. Arrêtez de même m'appeler Claude. Hein. Ouais, Bah, ça marche, hein, ça me veut Papy. Voilà, Papy, c'est très bien. C'est beaucoup plus simple, on voit une personnage ou Papy. Oui. Moi, je peux dire Pépé. Non, parce que là, ça me rajoute 25 ans. Ouais. Ah merde. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que Pépé, ouais, je vois déjà avec sa canne ou son déambulateur. Et du coup, c'est votre j'ai l'impression que je vais canner, là. Ah. Non, pas du tout. Non, c'est pas mon petit-fils, c'est ton ami très proche. C'était lui ou c'était pas lui? C'était pas lui. Là, c'est Mimi, ça. Bonjour, monsieur Mimi. Bonjour. Ah, c'est Michel. Salut, Mimi. Oh, Michel. Ah, ce bon vieux Mimi. C'est Michou, Michou Croûte. Ah, Michou, Michou. Merci qui? Merci Mimi. Michou, ça me rappelle des souvenirs un peu bizarres et puis. C'est-à-dire, quel genre je préférais de. Je préférais Mimi. Que je vois dans d'autres pays, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Non. Oula. Non, ça te dit rien? J'ai pas. Non. Ah, bah non. T'as pas la ref, comme on dit. Non, à ton âge, c'était de ton époque. Hein. Ah, mais tu parles de Michou. Ouais, d'accord. Ah, oui. Michou Sar, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. J'ai retombé l'ambiance. Oh tout Jésus. Ouais, y en a qu'on en marre, hein. Je suis quasi sûr. Ah ouais. Ah si, c'est lui. C'est qui? Ça lui ressemble totalement. Ah, ouais, t'as volé ta voiture peut-être. Juanito? Ah bah, je l'ai ramené, t'as ouais. Ah bah super. Non bah sinon, c'est pas elle. Hein. Il a changé juste la couleur, t'inquiète. Alors, elle est où ma voiture? La voiture que vous avez pris là-bas, c'était la mienne. Ah non, la voiture, elle était là-bas. Hein. Non, tout à l'heure, la voiture que vous avez pris là-bas. Hein? Vous êtes parti. Tu te trompes bien sûr, je crois. Ouais, on va dire ça, ouais. Je vais mettre ma chemise. Ouais. Je me trompe pas, là. Non, il se trompe pas, d'accord. Ah. Je sais plus, moi. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Parce que moi, je suis pas parti avec une voiture, moi j'étais déjà là-bas depuis longtemps. Hein. Bon. En tout cas, j'ai l'impression que vous me devez tous 50 euros. Hein. Je te raconte. Juanita, tu veux me ramener chez moi? Qui? Moi. Tu me demandes à moi de ramener chez toi? Ouais, faut que j'aille me coucher. Et Owen, il est pas là? Ah, non, je pense qu'Owen, là, il en a un petit peu ras le cul. Je pense qu'il va pas se réveiller là cette fois. Il va pas faire l'amour? Quoi? Ouais. Ah! Attends, faut que j'aille retirer. Quoi? Ils sont pas nets, hein. J'ai l'impression de pas avoir tout compris, là. Non, mais c'est tombé. Non, c'était ironique, j'avais très bien compris. Oui, là. Voilà. C'est drôle. C'est ça. Bon, je vais peut-être mettre une petite laine, elle fait froid, là. Mamie. Une petite laine. Mais arrêtez de vous moquer, il fait frais. Hein? Mettez une petite laine. Allez. Bah, je vais mettre une camomille. Mon petit pull. Tu vas te rentrer parce que tu vas choper la crève là. Hein. Non, tu vas choper la mort là. Ouh là là. Mais t'en as beaucoup sur toi là. Voilà. Il sort d'où tes Mais non, mais il était accroché à ma taille. Je veux pas savoir, papy. Ah bon, d'accord. Voilà. T'es souhait. Tu me ramènes, s'il te plaît? Comment je m'appelle? Juanita. T'as vu, je vais faire une dinguerie. Allez, vas-y, viens. Vas-y. Putain, je savais que t'allais dire ça, vas-y. Mais ouais, mais j'ai... du coup, j'ai rien dit. Ouais, vaut mieux. Oh là là, attends.
peut-être attendre que les flics bossent. Ouais, parce que t'as une voiture qui est pas tellement à toi, c'est ça? Ouais. Putain, mais ils sont où? On les entend, on les voit pas. Ils sont derrière, vas-y, viens. Vas-y. Oula! Tranquilo, je suis un pilote. T'as eu chaud aux fesses, toi? Tout ça fait qu'on s'est acheté une maison. Quoi? On s'est acheté une maison avec Rihanna. C'est vrai? Vous allez vivre ensemble déjà? Oh putain, attends, il y a les flics. Ah non, c'est ambulance. Et si? Vous l'avez acheté où la maison? Elle est au-dessus. Tu veux qu'on y aille? Elle est juste au-dessus de vous. Ah vas-y, montre. Oh, tu peux voir chez nous, chez toi alors. Non, mais ajoutez-le juste au-dessus. Enfin voilà, t'as compris. Attends, viens, on va prendre la coachella, elle est rapide. Oh, ouais, mais là, c'est de la voiture. Allez, vite. Mais j'ai du mal. J'ai l'impression qu'on va se rendormir. Mais non, tranquille. Je sais pas. Regarde, le téléphone marche, les poches marchent. Oui, mais bon. Des fois, ça marche, et puis d'un coup, pium. Ça va, ça se passe bien avec Owen en ce moment. Ouais, ça va. C'est tranquille. On s'occupe. Surtout la nuit. On s'occupe, t'as dit? Hein? T'as dit on s'occupe? Non, enfin oui. Mais non? Hein? Vas-y, moi je veux pas savoir. Ouais, moi je vais déco. On pique ça. J'en ai ras-le-bol trois fois et vu l'heure qu'il est, je suis claqué en plus. Tu me fais peur comment tu conduis, hein? Tranquille, tu sais très bien que je suis un pilote. Non, t'es clairement pas un pilote, regarde ce que tu fais. Tu fais n'importe quoi. J'ai pas touché. Ouais. C'est juste en fait, elle a du mal à tourner, elle. Oui, bien sûr, c'est à cause de la voiture. Évidemment. Non, vraiment. Ouais. Non, vraiment, elle a tout le mal, celle-là. Ouais. Regarde, attends. Voilà, ça va, elle est pas rapide en même temps. Hop là! Ouais, hop là, ouais! Hein. T'as vu, hein? Ouais, j'ai vu, ouais! Ça, c'est la maison de Max! On est là, par là! On est juste en bas là! Mais pourquoi tu roules sur le trottoir là? Elle est là! Elle est là! Droite? Celle-là, là, si, en face! À droite, là? Si, voilà. Ça! Il y a des gens ça. Chez toi d'ailleurs! Oh mais non, mais je sais pas c'est qui lui. Oula. On va laisser passer. Ah ouais, elle est, elle est pas mal, mais t'as pas de vue là. Attends, mais on m'appelle. Ah, c'est Owen. Allô. Vas-y, attends, je dépose Lisa là, on est au niveau de ta maison là. Vas-y, Claire, j'allume. Ah, du coup, voilà, c'est celle-là en face là. Avec le garage ici. C'est bien, hein? Bah ouais, c'est bien, ouais, clairement. Putain, ouais. Tout le monde m'appelle. Ah, c'est Bibao. Hein? J'ai déposé Elisa là, m'a demandé de le déposer. C'est ici. Waouh. Attends. Ah, je crois pas. Dis-moi, attends, je demande à Elisa. Elisa? Oui. Oui, belle vue ici quand même, en fait. T'arrives à ouvrir tes bouches? Oui, dépêche-toi de me ramener chez moi. Ouais, allez, arrive, c'est bon. Allez, dépêche-toi, parce que s'il lui arrive pas, c'est que ça va être la misère là. Il faut que je m'endorme avant, tu vois, sinon je vais me réveiller, je sais pas où encore. Ouais, tranquille. Vas-y, Vaiana, je passe te prendre après, c'est bon? Vas-y, à tout à l'heure. Et du coup? J'ai dit tartine. Tartine, ouais, je l'ai tartiné. Ouais, vas-y, tartine. Wouh! Fouah! Je t'ai dit, je suis un pilote. C'est passé près, là. Je suis un pilote. Ouais. Je suis un pilote, c'est tout. Tu vas pas l'admettre. Tu vois, hop, whisky. Pilote mon cul. Tac. Bon, bah, ouais, oh là-bas, ouais, tout le monde passe. Et voilà pour toi. Merci. A de rien. Allez, bonne nuit. Buenas noches. Buenas noches. Je quitte là avant de crash.
toute façon, ça va s'enchaîner encore, je pense. Bon, comment vous dire que, ben, du coup, j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'étais... Voilà. Je sais pas, ça valait vraiment le coup de se connecter, en fait. Ah, j'ai des messages. Bah bien sûr c'était un bon live. Enfin, moi j'ai bien rigolé quand même, mais c'est dommage parce que c'est un peu gâché tout le temps. Après je peux regarder qui c'est qui est en live pour vous envoyer quelque part. Peut-être Luxorial, peut-être en live elle. Hein. Je crois. Ouais elle est en live hein, je crois elle. Attendez, je regarde. Alors. Ah, il y a Abdoul qui est en live. Attendez, je vous envoie sur Abdoul. Avec sa Tesla là. Sa Tesla gris. Ah, mais il va sur le serveur. Attendez, on va regarder quelqu'un d'autre. Gamer. Donc Soria. Allez. Elle est encore au moulin. Hop! Host. Bon allez! Faites-lui des bisous et puis moi je vais aller me mettre dans mon lit. À demain! Je vais être un peu plus tard que d'habitude demain. Plus vers les 21h du coup. Mais voilà. Allez, ciao tout le monde! Ciao, ciao!